Zinzin. C'est naze. Salut à toutes et à tous et bienvenue. On est parti pour une petite émission spéciale. Ce n'est pas un prime. Bah non, hein. Voilà. Regardez, on est magnifique. Oh le prime. Oh là là. C'est tape de schlac. Regarde le public là-bas. Ce n'est pas. Applaudissements du public, s'il vous plaît. Les gars, oh merci, arrêtez. Merci, merci. Guys, guys. C'est génial. Oh, ils sont très très chauds et on va partir tout de suite sur des émissions de télé qu'on a un petit peu adapté à notre sauce parce qu'on n'a pas un, voilà, c'est pas TF1. D'émissions télé qu'on a un petit peu adapté pour faire du coup un mot de passe. Non. Ainsi, jure-le. Qui veut gagner des millions. Non. Un jeu que vous avez déjà vu, du coup, on s'est dit qu'on allait le refaire parce que ça avait plu. On n'avait pas d'idée aussi. Aussi, on a. Si. En fait, il y avait plein de trucs, mais bon, il faut les réaliser. Alors, c'est des millions, mais de quelle monnaie qu'on gagne. Ok, donc toi, t'étais en vacances, ça t'a pas. Ça n'a rien changé. Je vais évidemment regarder vos réactions sur le chat. Je serai les seuls à les voir puisqu'ils n'ont pas le droit de voir le chat, sinon ça va les aider. Ils vont voir des mots, ils vont voir des indices. Et on ne veut pas de ça. Bien vu, ça. On va commencer tout de suite par le premier jeu qui n'est autre que mot de passe, mais juste avant de. Setup du jeu. On va devoir faire des. C'est quoi ces idiots? On va devoir faire des équipes et on va faire des équipes au. Tirage au sort. Au hasard. Hasard. Voilà. J'essaie de voir s'ils suivent, mais. Les gars, non, mais j'étais en train ça dort un maximum. Okay. Joker pour répondre. Ok, premier joueur de l'équipe 1. On l'encule. Il y a marqué quoi? Gigi. Merci les gars. Un petit mot à fond peut-être. Jiria qui va être avec. Tu aimerais être avec qui, Jiria? Moi, je m'en fous, moi. Parce que moi, n'aimerais-tu pas être? Non, mais c'est pas ça. C'est que... En vrai, je pense qu'il vaut mieux pas être avec en fait, moi. Le truc, c'est parce que il faut savoir que vous avez mal joué à mot de passe. Non, moi, c'est une première pour moi. Là. Non, mais c'est pas un souci. En fait, il y a. Zoul, pour avoir la question. Enfin, je veux dire, chez le stream, on est avant tout une entreprise, une bande de potes. Et moi, je peux être avec tout le monde et ça me va. C'est écrit dans la bio. C'est ce que je veux dire. Bon, dans l'équipe numéro 2. La route TV d'une bande de potes. Non, mais. Xari! Oh là Xari. Là! La team Xari et Gigi à l'autre bout! Il n'y a que Gigi et Xari dedans! Team numéro 2. Comment ça dans la team numéro 2? Quoi? Bah oui! L'autre! Le collègue de Gigi, ce sera l'autre, ah donc bon c'est Zoulou. Attends, mais et on fait team 1, team 2, etc. Il a tiré au sort comme il voulait, hein! Il a fait mais parce que Xari et Gigi dans l'équipe attends, 2, ce sera Xari! Ils viennent de buter le suspect parce que si je fais Gigi, Xari, bah voilà, les deux autres tapis, ils servent mais à rien. Mais c'est pas grave, on s'en fout! Putain! T'avais juste envie d'être avec Gigi! Allez, mec, moi je suis avec Zang, c'est pas grave, moi gagner, c'est mon défi. Voilà! Mais je sais pas jouer. Le premier mot, c'est bah, c'est bien parce que du coup, vous êtes parfaitement placé. Premier ça, c'est quand même incroyable. Ouais? C'est quand même merveilleux. Je vais laisser c'est ça. Pas mal, oh, bah oui, oh putain, il est chiant. Alors, je vais me faire insulter, je sais pas. Mec, jouer je suis avec le meilleur joueur de Golf Hit de France. Il y a un moment, les gars, c'est quand même. Ça a très très bien se passer. L'autre! Jamais l'avoir fait jouer en plus! Gigi et l'autre! Mais non, j'étais jamais là, moi, pour ça. T'as jamais joué? Non! Si, mais il va y arriver. Mais c'est bon, au pire, c'est pas grave. Tu connais les règles. Un peu de calme. Ouais. Si je te dis chat. Chien. Chien ça, non, ça commence pareil. Je te dis descendre. T'as pas le droit, si moi Noël. J'ai le droit de dire un mois, par exemple. Je peux dire Noël, je peux dire janvier. Descendre moi ouais, descendre un mois, ah, j'ai compris, moi, j'ai compris décembre. Et j'ai dit ouais, pareil. Je fais des feintes. Mec, aussi. En même temps, si tu sais pas parler français, descendre. Spank. Spank. Descendre. Monter. Oui, voilà. Ok, ouais. T'as compris. C'est compris. Énorme. Ok, il y a déjà des embrouilles. Voilà. Est-ce que ce serait pas la team c'est ce que Zari c'est sur le chat, moi, El Famoso bon, on s'embrouille pas, Zari. Les gars. C'est juste qu'il y a un moment où l'animateur, il nous fait des feintes. Bon, voilà. Ok, est-ce que tu veux le garder en main ou est-ce que tu veux que je le fasse pour vous pour que vous puissiez concentrer sur le truc? Il faut mieux que ce soit nous parce que nous, on sait quand on veut passer, tu vois. D'accord, mais le truc, c'est faut que vous le disiez aussi à l'oral. Ouais. Les gens, les ils gens le voient comprennent pas. Bien, en fait. Les gens peuvent pas avoir le retour. Si, les gens, si, mais nous... Non. Parce qu'en fait, si on affiche ça aux gens, on doit se l'afficher aussi. Et non, du coup, vous allez le voir. Attends, mais les gens ne voient pas le mot. Ah, il faut... Ah, bah voilà. Oh, tu te calmes, okay, hein. Bah, il faut éteindre le retour, là. Ah ouais, mais voilà, du coup, éteindre le retour. Non, mais ça, tu sais quoi, pendant qu'il joue, je me mets là. Non, mais on éteint le retour, juste. Non, mais on va juste éteindre le retour. Éteindre le retour, mon ami. Non, mais j'éteins le retour. La scène est vraiment pas mal, par contre. Après... Bravo, Rizzo. À tout hasard, Rizzo... Attends, avant d'éteindre. Éteins pas. À tout hasard, Rizzo, t'as pas un moyen de... Tu sais, pour le... Attends, je vais voir en régie. Pour le quiz Coca-Cola. Il met des lunettes Rizzo, à tout hasard. Pour le quiz Coca-Cola, tu nous avais fait un retour différent de ce que les gens voyaient. Tu peux le refaire ou pas? C'est pas grave, okay. Coupe. On peut afficher la régie, vas-y, affiche on la régie. Retour. On a pas besoin de retour. On est... Zari. Putain, il est en train de griller tout seul. My Big Burger, guys. Tu es trop gros. Mais j'avais pas le manger, mec. Non, j'avais pas. Zari. Ah, tout ça parce que je suis arabe. Ok, non, d'accord. C'est en train de bouffer comme un énorme tas, évidemment. Il a pris quoi, lui, là? C'est Fernand. Quoi ça, Big Fernand? Ouais, c'est Big Fernand, les gars. Bon, allez, on y va. Tu peux couper le retour, s'il te plaît? Ah, bah, non, mais ok, non, mais le mec, il veut quoi? C'est du cut-off? Ouais, mais ça, c'est pas grave. Quand tu joueras, je ferai comme ça, t'inquiète. Tu sais où est le bouton? Il y a un mec qui propose de cacher une partie de retour, genre on met un papier sur le non, mais stop. Mais il a éteint la lumière, quoi. J'ai rien touché, gros. Je vois rien, gros.
Vas-y, mais en même temps, si t'es triste. Sans surtout pas de scène, hein, mon ami Rizzo. Eh, tu sais quoi, ça me casse les couilles, je vais tout péter ici. Ah oui, c'est vrai. On a cette technologie, les gars. Elle est où? Elle est... Ça marche pas. Ça marche. Il est devant aussi. Casse-toi, j'ai rien. T'as juste, tu vas allumer. Attends, décale-toi, Gigi. Voilà. Ah, mais c'est bon, c'est bon. Bien joué, j'ai rien. Il m'a dit un bouton vert, je suis ma gueule. Il est où le bouton? Alors, je rappelle. La télécommande, tout le monde, tu la rallumes. Je la rallumerai. Je rappelle très rapidement les règles. On n'a pas le droit de faire un mot qui commence pareil, donc pas de. Si c'est un signe. Alors, mais c'était le mot parfait en plus, j'allais dire H1Z1 et tout. Et là, c'est bandage quoi. Vas-y, ça casse les couilles. Ok, on est bon. Non, dommage, alors, ça sera notre... J'aurais jamais trouvé. Alors, ça va passer. C'est quoi ça? Je sais pas. Donc, on n'a pas le droit aux mots qui commencent pareil. Genre, pour faire deviner chat, tu n'as pas le droit de dire. Chatière, voilà. Bon, ça paraît logique. T'as pas le droit de dire un mot qui est entièrement dans l'autre mot. C'est-à-dire, pour faire deviner vis, t'as pas le droit de dire tournevis. Qui semble logique. Ah ouais, t'as mais c'est chaud aussi. T'as pas le droit aux mots de la même famille. Donc, voilà. T'as pas le droit à l'anglais. T'as pas le droit à la traduction. Tu veux faire deviner blanc, tu peux pas dire ah c'est white. Et t'as pas le droit aux mots composés. Mais par contre, les anagrammes sont valides. Genre SNCF, t'as le droit de dire. Parle-moi français. H1Z1, t'as le droit de dire. SNCF, t'as le droit de dire. T'as pas le droit de dire. Star Wars, voilà. Ni New York. Concentre-toi. Des acronymes. Bref, on s'en fout. C'est ça. Et que tu fais deviner avec un anagramme, c'est Jean-Louis. Bah quoi, c'est l'anagramme de Voldemort. C'était facile. Je me suis trompé de mot. Et donc t'as compris, c'est bon. Ouais. Trois mots max. Trois mots et max. Si, trois et mois. Après on perd. Et après okay. C'est le mot suivant. Ah, okay. Si tu ne sais vraiment pas. En combien de temps? Trois mots max. On a deux minutes. T'as un deux compteur. Minutes. Qu'est-ce qu'on rit? Ah ouais, mais une minute, c'est chaud pour moi. Mais deux. Tu me dis quand c'est ready. Il se concentre. Tu vas le faire, mec. Je suis en train de méditer. Ok. Médite, mec. Concentre-toi, mec. C'est bon? T'es prêt? C'est toi qui donne mieux. Le top à la régie. Zank, regarde-moi. Ouais, je me sens mieux. Regarde-le. Ouais. Gros, t'as des lunettes, on voit le reflet par contre. 3, 2, 1, métal. Aluminium. Fondre. Chauffer. Technologie. Passe. Ok, c'était éteint. Tu disais allumé, il disait éteint. Ouais. C'est vrai. Rouge. Noir. Couleur. Dis un truc. Blanc. Poussin. Jaune. Ouais. Allez. Je oui. passe. Rêve. Dormir. Inverse. Inverse. Rêve. Méditer. Passe. je passe encore. Ah, je suis trop nul, c'est moi. Chaud, pour c'est ça, chaud, c'est pas ça. Grave, c'est quand pas tu grave. Vas le faire. Ça c'est chiant. Oui. Non. Oui. Lire. Écrire. Chiffre. Maths. Verbe. Adverbe. En plus j'ai pas le droit. Chenille. Pokémon. Papillon. De lumière. Entre. Sortir. Je sais pas combien de temps il reste. Il doit pas rester beaucoup. Putain. Suspect. Tueur. Relâché. Prison. Innocent. Mais tu m'emmènes où okay, là? C'est pas grave. Mon. Des merveilles. Mon. Ton. Himalaya. Montagne. Eau. Cascade. Putain, c'était sûr. Je sais pas. Ouais, ah ouais, c'était haut en hauteur. Poisson. Sardine. Énorme. Carpe. Énorme. Énorme. Je sais pas moi. L'énorme poisson, le plus gros poisson du monde. Oh. Baleine. Oui. On se le valide parce que c'était vraiment c'est terrible. Pas un poisson. Oui, ça m'a fait mais c'est un cétacé. Non, mais c'est assez. Oui, mais crois non, pas que dans ma tête, je me suis dit, ouais, c'est pas un poisson. Non, déjà, mec, j'étais en mode, j'allais dire un mammifère. C'est cétacé, dit la baleine. Je me c'est dur ce jeu de merde. T'as vu, c'est dur. Non, mais en vrai, c'est vraiment. Au final, ça reste un mammifère. Non, franchement, c'est pas si dur que ça. Si tu fais des dur, je suis rincé. Ah ouais. Bah ouais. Okay, ah, c'est Zulu qui me fait deviner à moi? Oh putain. C'est un vas-y, mais on va se faire éclater, mec. Pourquoi t'as tué avec moi? Non, mais moi, je suis dégueu, je déconne pas. Mais c'est juste que. Ok, je vais mettre le chrono comme ça, j'aurai le temps qui se passe. C'est quoi les trucs là? Innocent et tout. Ah, mais regarde, il est derrière. Ah, quitté, putain, oh, j'aime. Super, Rizzo, franchement, tu peux oui, mais moi, je sais pas. Ah, tu vas le mettre sur l'écran là? Oh, t'es. Fais voir moutarde. Oh, t'es tellement beau, putain. Bah là, je suis mieux là. Belvédère, tu vas peut-être passer. What the fuck? Regarde. Regarde-le. Oh non, je peux pas te le faire deviner. Ah merde.
C'était Belvédère quand même. Belvédère. Oh, zut. Bah, sinon tu le passes, hein, tu tombes à les couilles. Hein. Ok, vous êtes 4200 à nous regarder. Merci les gars, merci. Thank you guys. Énorme, on fait plus de vues que sur un Prime. On va donc arrêter. Allez, à combien de points? 3, je crois. 3 points, non, Rizzo? C'est un mini Prime. C'est vrai. Il a pas noté l'enfant. Rizzo, t'as noté les points? Attends, le chat va peut-être le dire. Non mais ah, il y a 3 points. 3 points, 3 points. Attention, mets leur 3, hein, écoute, il n'y a pas de souci. Je vais scorer, il n'y a pas de souci. Allez, c'est parti. En 2 minutes, 3 points, c'est pas fou. Je suis désolé, bon. C'est pas grave. On va voir si Zulu fait mieux. Deuxième manche, cette fois-ci, c'est Zulu qui doit faire deviner à Jiraya. Ils ont 2 minutes pour deviner un maximum de mots. Pour le moment, le score à battre est de 3. Peux-tu arrêter? Est-ce que vous êtes prêts? Moi, je suis totalement prêt. Peux-tu reprendre? Allez, c'est parti. 3, 2. Ah! Non, c'est la régie qui décide. C'est la régie qui décide. Ouais, c'est vrai. Car la régie est seule. Oh, t'es en train de bouffer. Oh, attendez. Non, Rizzo, on a confiance en toi. N'hésitez pas à m'aider dans le chat, bien sûr. Alors si, évidemment, il y a des petits blancs dans cette émission, n'hésitez pas à aller voir la dernière vidéo de Gigi où il raconte son permis. Ah, très bien. Puisqu'on est sur... C'est sur du top tendance, hein, on est bien. Hein. Ouais, je sais pas, on doit être 6, mais bon. Non, t'étais 5ème, et là t'es tombé 6ème. J'ai perdu une place puis hier. Mais bah bon. Après, c'est pas grave, tu vois. Genre... Tu vis comment de perdre une place comme ça dans le top tendance? Passer de 5 à 6, c'est chiant. C'est chiant. Après, ce qui me fait plaisir, quand j'étais dans le top 5, premier c'est qui? C'était Kemar. J'étais avec mon ami Kemar. Ça fait plaisir, quoi. On est prêt à pouvoir y aller. Est-ce que tu es prêt, Zulu? Oui. Est-ce que tu es prêt, Jiraya? Totalement prêt. Vous avez 2 minutes. 3, 2, 1, c'est parti. Juge. Tribunal. Oui. C'est ça? Oui, c'est ça. Merci pour l'abo. Hein. Merci, mec. Chaussures. Sandales. Glace. Glace. Chaussures. Glace au. Passe, je sais pas. Quéquette. C'est patin. Ah oui, bah oui. Encyclopédie. Dictionnaire. Oui. Facile ça. Crapaud. Voilà. Grenouille. Mais voilà. Oui. 3 points déjà. Il reste 1 minute 35. Prêtre. Ça a pas le droit. Ok, c'était ouais. Prié. Là, tu fais que le premier mot quand ça tombe comme ça. Tu le sais. Tu le connais. École. Collège. Ardoise. Tableau. Oui. Que le premier mot. Passe. C'était trop bien. Main. Pied. Ouais, ça c'est plus facile, tu vois. Sur. En dessous. Autre. Au-dessus. Sur. Terre. Okay. C'était sous. <sous. rire> Ah, c'est bon. Passe. Feuille. Papier. Livre. Livre, les papiers. Page. Oui. Il reste 45 secondes. Passe. Il est chaud, bon. 5 points. Passe. Rouge. Noir. Bleu. Vert. Ensemble. Attends, tu vois. Violet. Ok, c'est pas mal, c'était ah ouais. Couleur. Tennis. Ping-pong. Instrument. Raquette. Oui. Non, la passe. En vrai, bon. Voiture. Bus. 3008. Assoir. Siège. Oui. 10 secondes. Ils sont chauds, mec. Cœur. Artère. Foie. Estomac. C'est terminé. C'était organe, mais c'est terminé. C'était organe, t'as bien ensemble. Ouais, ensemble. Et retenter le truc. Ouais, m'aurait dit. 7 points en 2 minutes pour l'équipe. De Zulu. Et est-ce qu'on a du soutien sur le chat de Jiraya? Eh ben écoute, vas-y, montrez votre soutien, clap clap, les GG qui vont popper évidemment. Merci, la 3008 represent. Thank you guys. Merci mec. T'as été bon. Bon allez, merci. Inversion maintenant. Ceux qui à qui on a fait deviner des mots vont devoir faire deviner les mots cette fois-ci. On va continuer avec l'équipe Xari et Zank, donc l'équipe Zari. qui s'applaudissent eux-mêmes, c'est magnifique. Zank, tu vas donc devoir faire deviner un maximum de mots à Xari en 2 minutes. Pour le moment, vous êtes à 3 points, donc vous êtes à 4 points d'écart déjà de l'autre équipe. Tout est rattrapable. Parce que est rattrapable, mais il va falloir être très chaud, d'accord? Tu peux l'autre, passer. C'est moi. Alors, t'as le choix. C'est simple à trouver. Soit mais... tu passes les mots toi-même, soit je peux le faire pour toi, c'est comme tu veux. Ouais, je préfère que tu le fasses, tu vois. Je me sens pas. Comme ça, tu ouais, c'est plus simple sur les pour mots. Toi quand même. C'est comme c'est beaucoup plus simple de passer pour toi. Vas-y, si. Ah, okay. Parce que tu vas savoir et en fait le temps que tu par exemple, passes, là, tu vois, là je peux pas lui dire. Tu vois, genre celui-là, je le trouve easy. Mais c'est par quoi commencer pour que je le fasse bah, c'est si, si t'as pas l'idée, tu passes. Du jeu. Si t'as pas l'idée, tu passes instant. On peut dire des noms propres? Non. Ah, parce que genre là, on pouvait pas dire. C'était quoi? C'était quoi le mot? Imitateur, tu vois. Je sais pas par quoi commencer si. En fait. Tu vois. Ouais, en fait, si, on a le droit de dire des noms propres. Ouais, je passe.
Mais il faut pas que ce soit Macron. Ouais. En vrai, ouais, ouais, t'as le droit de dire des noms, mais pas des prénoms, quoi. J'ai pas le droit de dire c'est notre. Ah, pas des noms entiers, en fait, tu veux dire. Oui. Tu veux dire juste un prénom. Ouais, ouais, un nom. Pas François Hollande, quoi. Oui, d'accord. Mais par contre, si tu veux te faire deviner Hollande, t'as le droit de dire François, quoi. Mais... François, président Hollande. Vous ouais. êtes prêts? 2 minutes. Est-ce que le chrono est prêt en régie? Oui, c'est bon. Oui, on va pouvoir y aller. Pour le moment, vous êtes à 3 points. Bonne chance, quand vous voulez. Le chrono non, démarre quand tu dis le premier mot. Non, c'est la régie qui fait le 3-2. Ouais, ah ouais, c'est la régie, elle est, ouais. C'est quand elle est prête, c'est que elle qui nous... On est d'accord qu'à la télé, il démarre le chrono quand il dit le premier mot. Ouais, mais là, on s'en fout, on n'est pas à la télé, c'est la régie, le boss. Quoi dire. Ok, c'est la régie, le boss. Mec, tu t'es dit. Ouais. Concept. Idée. Je passe. Il est perdu. Argent. Monnaie. Planqué. Coffre. Petit. Tire-lire. Ah, c'est fini. C'est terminé. C'est fini, c'est 3 fois. Ok, c'était et portefeuille. Merde. Excité. Réfléchir, je l'ai au pif. Bouger. Aucune idée. Les mots composés, tu peux faire deviner que système. Le premier. Ouais, c'était Magic System, c'était agité. Sandales. Chaussures. Ah oui. Non. Oh. C'est le premier point. Bah. Liquide. Boisson. Je passe. Rentrer. C'est un autre mot là. Ouais. Ouais. Rentrer. Sortir. Maison. Porte. Ouvrir. Je vois, ça fait 3 mots. Portail. Ouais. Ah, je suis trop nul. T'as dû dire serrure quand. Ouais, clé. J'avais le droit, ouais. Ah oui. Ouais, oui. Couleur. Jaune. Mur. Blanc. Ah, vas-y, redis un truc. Je sais pas quoi dire. Peintre. Peindre. Ouais, 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 peinture. C'est peinture. Ouais, c'est trop chaud pour moi ce truc. Devant. Derrière. Wow, oh. Allez, le point là. Et le deuxième ça. Point. Noir. Blanc. Ouais. Je passe. C'est mort. Seul. Ensemble. Homme. Solitaire. Mort. Très du terre dans le truc. Cadavre. Non, c'était veuf. J'aurais dû me dire marié. Marié, femme, ouais. Mort. Ok, ouais, on arrive au bout du chrono. Ça me casse les couilles. Alors moi, j'ai compté que 3 points. 3 points, exact, on c'est d'accord. Ça. 3 on points, est vous êtes donc à 6 points pour le moment. 6 points. Je suis désolé, aïe, mec. 6 points, je sais. On a notre premier mot, il est archi bien. Regarde pas. Ok, on est bon, tu peux leur mettre 6 points ici. 7 points pour la team Gigi et l'autre. Est-ce que vous êtes prêts à essayer de... Gigi et l'autre. Péter les scores. Yes. Oh, t'es chaud. Ouais, top là. Parce qu'évidemment, après, allez. On va remélanger les équipes et on va essayer de faire mieux. D'accord, ouais. Vous êtes prêts? Ouais. Jiraya, 2 minutes pour non. faire dominer un maximum de mots. Est-ce que tu es prêt en régie? Tu dis la régie, tu fais le décompte, gros. Tu vas être payé en 2 minutes. C'est quand tu veux. Attention, c'est dur de garder des mots pour faire désigner le truc. C'est très dur. Tu vois ce que je veux dire, Zulu, non? Ouais. Minecraft. Cube. GG. Allez, au revoir. Allez, dégage. Ordinateur. Computer, non mais computer, non vas-y. D'accord. Curseur. Souris. Bien joué. Juste le premier mot, juste le premier mot. Dans ce c'est mort, bon, ça. Je passe cette merde. Quand t'as les deux mots, c'est partir. Le un jour. Venir. Ah bah non. Parce non. Il fallait faire ça. Il fallait faire. YouTube. Monnaie. Ensemble. Provider. Vidéaste. Arrête de dire des mots anglais, y en a pas. Mais oui, y en a pas. Tu au statut ou quoi? Allez. Allez, on passe, c'était chaîne. Allez, c'était chaîne. C'est vrai. J'ai envie de dire. Le dieu. Ouais, le god. God. T'as pas le droit, mais on l'accepte. Ah oui, je dis god, on l'accepte. Non, mais t'as pas le droit de mots anglais. Père. Streamer. Feu. LOL. J'ai envie de t'enculer, je te jure. Docteur. Bah, j'ai voulu la jouer, c'était melon, hein, mais bon, c'est pas melon. Ah, il a dit God, il a perdu du temps là. Bah, il God. No. Quoi? No. Papillon. T'as pas le droit de. Attention, il a mis non, j'ai fait ça, j'ai fait ça. Attention, attention. Mariage. Cravate. Yes. Oh, bah oui. Bah, tiens. 3 points pour le moment. Mécanique. Boulon. Étincelle. Court-circuit.
Bon, allez, on s'en va. Collé. C'était quoi? Soudage. Ah, docteur. Feel good. Non mais ça va. Mais vas-y. Mais je m'en fous, c'est juste pour qu'il donne son deuxième mot. Autonome. Il a passé. Astérix. Médecin, c'était médecin. Oh, mec, moi, c'est pas ça. Astérix. Obélisque. Oh, bien joué, mec. T'es trop fort, mec. J'avoue qu'il est chaud quand même. Ah, mutuelle. Oh, mec. Soleil. Quoi? Il y a un truc, tu peux dire. Musique. CIC. C'est terminé. T'es autant entrepreneur. Mario. Mais il est vraiment autant entrepreneur. Ouais, j'ai compté 4 points. Ok, mais en fait, j'explique quand je joue. Enfin, c'est ma façon oui, de c'est jouer. Oui, c'est ta façon. Mais en fait, tu me stressais, je t'en mode. Je te donne le mot, le premier auquel je pense pour que tu me donnes ton deuxième et je et ensuite, t'essayes de broder là-dessus. Quoi. Ouais, à moins que ce soit un truc genre haut, bas, noir, blanc. En fait, docteur, je voulais dire genre. Enfin, je voulais. Quand tu m'as dit feel good, j'ai FF, mais c'était genre consultation. Mais je voulais dire vocabulaire, soutenu, j'en sais rien, mais t'as trois mots, tu vois. Donc c'est pas good. Avec trois mots, c'est pas évident. C'est pas évident. J'ai pas été bon. On refait un round. On est à combien de points pour le moment? On est à 6, je crois. 4, 4, ça 4, fait 4, ça fait 11. Donc pour le moment, on est à une large victoire de Gigi et l'autre. Mais de toute façon, vous aviez gagné. Et l'autre. Ça, c'est vraiment un plaisir. Gigi et l'autre. Non, je sais pas, il est resté sur ça. Il est resté sur ça. Je suis content de ne pas avoir joué. Sinon, ça aurait été écrit du Tuvéman, le retour. Bon, sur ce, qu'est-ce que vous voulez faire? Est-ce que vous pensez pouvoir revenir au score ou est-ce qu'on mélange les équipes? Vas-y, si tu veux revenir, non, tenter de le revenir, je pense que on peut remettre les scores. Ouais, je pense qu'il vaut mieux mélanger. Moi, je pense honnêtement. Que te mélanger. Moi, je suis pas insane sur le jeu. Et bah, pareil, vous inversez et oh, putain, ça fait deux nouvelles équipes et on tente. Trois fois que je marche dessus. Con. Tu marches dessus. Vas-y, go switch. Vas-y, on switch. Allez, go switch. Ok, bah, je vais devenir Azari du coup. Ah, non, mais tranquille, mec. Parce que si on fait au hasard, on risque de tomber sur le même truc. Tranquille. C'est pas grave. De toute façon, on est là pour s'amuser. C'est frustrant d'être nul, tu vois. Parce que tu sens que t'aides pas ton pote. Mais c'est pas grave. Mais non, mais y a pas de bon de nul. Non, mais je te le dis en fait. Non, Zonk ! Y a pas de bon de nul. Y a des manières différentes de penser. D'accord ? Non, mais c'est chiant quoi. Ah ouais, mec, attends, je vais le garder celui-là. La très bonne ambiance dans l'émission. Ok, bon ! Merde ! Alors, merde ! Non, mais en vrai, plus merde ! Plus tu joues, plus t'es fort. Fais très attention à ce que tu vas dire pour faire deviner ce mot. Plus tu joues, plus t'es fort. Hein. Oui, je sais. Pourquoi ? Non, parce qu'il pense déjà à une lettre et tout, tu vois. T'inquiète. Moi je sais de quoi il parle. C'est ça. Ah, moi je vois pas, je te jure que c'est non, pas. C'est pas non, pas. Non, je pense. Arrêtez. Allez, dis-moi. Ah, si je te le dis, c'est trop tard. Chut. Mais pourquoi vous parlez de chat? Je n'ai à aucun moment j'ai pensé à ça. Je te jure que c'est quoi? Non, mais joue. Il manque une lettre donc. Oui, bah, oh, mais il va pas dire ça. Des indices. On est bon, on est prêt. Vous avez 2 minutes pour faire deviner un maximum de mots. On a changé les équipes. Maintenant c'est Gigi qui est avec Xari. On a d'ailleurs pas changé. Les noms d'équipe c'est et pas les grave, scores. Pas grave, les gars. Et quand tu es prêt, Rizzo, tu peux faire dis. Ça pendant qu'on devine parce qu'il a rien à faire. T'es ready? Lance la régie, vas-y. Gigi et Xari contre l'autre. Zulu et Zank. Contre Zizi. Zank et l'autre. Je suis sûr qu'il y avait plus rien. C'est con. Ouais. Ouais, allô? Arrête de spoil, ok? Ok. Ouais, je suis énorme. On peut y aller. Quand tu veux, tu donnes le compte à rebours. Miel. Pops. Et c'était con, c'était pop. Ah, c'était pop. Moi j'avais envie de le faire juste pour mon petit pote. Ça c'est très chiant. Oh, allez. Tu l'as quand même. Non. BNB. R. Loger. Appartement. Habité. Louer. Ah. C'était hébergement. Nope. Ah, guitariste. Musicien. Yes. Un point. Barbecue, grille, chauffé, cuir, noir, charbon, yes. Oh les boss. Montagne, chaîne, grimper, escalader, profession, alpiniste. C'était alpinisme, mais. Okay. Oh, en vrai, franchement, on aurait pu compter. Prêt, loin. Prêt, argent. Banque, yes. Troisième mot, ça aurait été en cul. Une minute. Office, tourisme. Yes. Oh lolo. Gorge, déployer, parler, corde, opérer. Je sais pas. C'est chaud, mais amygdale. Amygdale. Ah oui, d'accord. Gueule, le loup, tête, bouche, expression, crier, je sais pas. Visage. Ah ouais. 30 secondes. PGW. Salon. Jeune. Rush. Plein.
full fan. Enfin, c'était. Trop fan. Papa. Dispo, maman. Ensemble. Parents. Ensemble. 10 secondes. Famille. Ensemble. Ouais. Merci. Ancien. Nouveau. Précisé. Nouveauté. Oui. Précisé, s'il vous plaît. 6 points. Cuisine. J'allais dire cuisine. 6 points. Là. Non. Vêtements. 6 points pour l'équipe Gigi. Bien joué, mec, franchement. Zari. J'ai deux mots un peu compliqués. C'est insane. 2 minutes, 6 points, c'est pas mal. Vous pouvez faire mieux. Non, tu oublies. Je parle au chat. Non, et Zank. Et Zank, sérieux. Attends, je place mon curseur. Vas-y, tranquille. Attends, mais elle est où la souris là? Bon, le chat se gosse. Se gosse en max. Pourquoi tu m'as pas fait deviner pop du coup? Parce que j'ai dit pop. Moi, je pensais 4 pop. C'était pop. Mais en fait, c'est juste, en gros, il a dit non, dis pas ça et tout. Il m'a dit. J'aurais dû dire court. Et j'aurais dit non, mais en fait, j'allais te dire. À la base, moi, j'avais pas du tout pensé à ça. Je voulais dire filtre, micro. Corn. Non, tu vois, filtre, micro, genre le filtre anti-pop. T'as le droit de dire K et après groupe. Tu vois, genre K-pop. Hein, tu vois. Ah. Je sais pas si t'as le droit. Oui, t'as K-pop, tu peux le dire. K, tu vois, c'est pas un... Non, mais K-pop, tu peux le dire en un mot. Ouais, okay. En fait. Enfin, tu vois ce que je veux dire. Ouais, non, t'as pas le droit. Non, t'as pas le droit. Non, t'as pas le droit aux mots qui sont composés. D'accord. Genre chewing gum, t'as pas le droit. Ouais, cowboy, t'as pas le droit. Mais bon. Attends, ah ouais. Zank, normalement, non. Attends, attends. Zank, t'y vas à l'instinct. Ok, oh, tu. Il a cliqué jusqu'à voir ça. Ok. Je mon petit. Ah, Zank. Ouais. T'y vas à l'instinct, tranquille, tu te prends pas la tête. Et si tu sais pas, tu passes, on s'en fout. Risotto, t'as dit quoi? En vrai, il vaut mieux que je passe que d'être à bégayer, tu vois. D'accord. Ah, parce qu'on t'entend pas. Ah, bon, je savais pas qu'on t'entendait pas. Je pensais qu'on t'entendait. Je pensais que tu voulais participer, mais en fait, t'es un chien. Tu pourrais participer, en vrai, bro. Bah alors, mais vas-y, mets ton mic. Hein. T'as fait le. N'aie pas peur, les gens t'aiment, Risotto. Les gens te kiffent, tout. Ils se rappellent de ton mic. Dites-lui sur le chat que vous l'aimez. Le chat de 1. Voilà, on m'entend, je vais pouvoir faire le décompte. Yes, fais le décompte, mon ami. Vas-y, parle-nous. C'est parti, on est prêt. Yes. Allez. Oui. 3, 2, 1, c'est parti. Blanc. Noir. La paille choc. Viande. Cheval. C'est génial. Peau. Cuir. Ok, passe. C'est cher. Ah. Bonjour. Au revoir. on appelle quoi? Non, c'est pas ça. C'est pas du tout ça. Ah ouais. Ah ouais. Vert. Main. Pied. Non, passe. Et c'était tranquille. Salut. Non, ça j'aurais pas. Manger. Et si tu devinais celui-là, c'est 2 points. Gros. Burger. Gros. Gras. Oh, attends, c'est gras. Grassouillé, gros. Grassouillé. Impossible. Singe. Banane. Gorille. Chimpanzé. Grand. Va dire. King Kong. Mais non, ça aurait dû dire orange. Ah non, t'as pas le droit. Ça, je sais pas. Chanteur. Obispo. Convention. Concert. Ouais, yes, my friend, yes. Il a fait ça, tu sais, en mode, allez. Sang. Nu. Vêtements. Soutien-gorge. Ouais. Ah, ça il connaît, hein. Ouais. MDR. Allez, école. 30 secondes. Maternité. Transporté. Cartable. Contraire. Sac. Sac à dos. Ouais, c'est validé, c'est validé. Mec, il a dit 20 secondes. Malade. Maladie. Dingue. Rage. Malade. Flingué de la tête. Psychomate. Oh, c'était fou. 10 secondes. Toto. Oh putain de ta mère. C'est trop facile. Allez. Mais n'importe quoi. Tabac. Club. Magazine. Porno. Enchaîne. C'est mort. Magazine. Revue, ouais. C'est kiosque. Je sais pas si j'aurais pu. Je sais pas si j'ai bien vendu le truc. Non, en vrai, c'était pas mal. Ça commençait bien. C'est un pervers. Quand il a dit porno. C'est un pervers de ouf. Quand il a dit porno, il t'a perdu. T'étais là. T'étais plus avec nous là. T'étais avec Madison Avenue ou je ne sais qui. T'étais ailleurs. Là, il va falloir être bon. Après, moi, je suis peut-être des fois meilleur pour deviner que pour. Il faut que tu recules. Non, en vrai, mec, elle était insane. Moi, qui suis là. Non, le truc d'avant, vous avez été insane, mec. J'ai été épaté. C'est quoi le plus gros score qu'on ait fait, Xari, sur ce jeu? 32. Ça dépend des minutes. Je pense que vous avez fait beaucoup. Une fois, on a fait 22, je crois. Non, mais le meilleur en 2 minutes. Non, mais on s'en rappelle plus parce que ça dépend aussi des timers. Sur OC, c'était 1 minute 30. On faisait plus de manches, etc. Oui, mais ça, je veux dire, c'est déjà arrivé qu'on fasse genre 15 points. On a déjà fait 12 avec Xari, je suis sûr. Je me rappelle qu'on a fait 42. Attends, il m'a dit 22 quand même, en 2 minutes. 22, il m'a dit. Bah, on a fait 42 en 4 manches. 42 en 4 manches de 1 minute 30. Mais c'est bien. C'est pas mal, ouais.
Ça fait six Allez, minutes. On est prêt. 2 minutes. Oh, la voix qui part en couille. 2 minutes, un maximum de mots. Yeah. Xari doit faire deviner à Gigi. Pour le moment, ils sont à 6 points. Tu as deux doigts de manger. Peuvent-ils faire mieux que tout à l'heure? Tout à l'heure, ils sont arrivés à 11 points. Attends. On va voir s'ils arrivent à battre leur record. Bah, c'était 11 pas points à battre, il faut marquer plus de 5 points, messieurs. Régis. Ouais. Vas-y. Vous êtes prêts? Bah oui. 3. Tête de tigre. 3, 2, 1. C'est parti. C'est parti. Os. Chien. Cassé. Moelle. Brisé. Fémur. C'était fracture. Ça marche pas bien apparemment. Ça capte pas. Oh putain, la vie de ma mère. Gros. C'est chiant. Vas-y, vas-y. Radio. Réveil. Écran. Échographie. Émission. Programme. C'était TV. Ouais. Opération. Hôpital. Endormissement. Ah merde, anesthésie. Ouais. Et 1 point. Français. Anglais. Oui. 2 points. Garçon. Fille. 3 points. Oh sa mère. médicament. Pilule. Potion. Breuvage. C'est dur, remède c'était. grand-père. Grand-mère. Garçon. J'ai l'oncle. Ah, c'est vrai que tu me racontes, c'était petit-fils. Ah bah oui, bah je suis cool. Mercure. Au chrome. chaleur. Pansement. Mercure, chaleur. Pas mercure. Ah chrome. Oui, thermomètre. Oui. Bateau. Sur l'eau. Submersible. Navire. Non, pas navire. Sous-marin. Oui. Majeur. Mineur. Continent. Ouais, Afrique. C'est naze, c'était pas un continent. j'ai passé. Désert. Sahara. Illusion. Oasis. Illusion. Source. Non, c'était mirage. Ah bah oui, je suis con. Ouais, tremblement sous-marin. Voilà. Tremblement sous-marin. 6 points, vous avez battu pour le moment le précédent record qui était de 11 points, vous êtes à 12. 6. Alors, en vrai, il y a 2-3 trucs, je m'en veux un peu. Et j'espère que tu m'en voudras pas, tu m'entendras pas rigueur pour la suite de notre amitié. Mais toi, petit-fils, pourquoi t'as pas fait devenir petit? Oui, tu peux dire grand, petit, grand, c'était petit, la idée. Grand, petit, c'était un point. Ouais, je sais, mais t'as voulu jouer le beau jeu. Non, mais tout à l'heure, on a fait deviner, je sais plus ce que c'était, sac à dos, je sais pas quoi. Donc je me suis dit. Ah ouais, ouais. Non mais my bad, en vrai j'ai pas réfléchi à la famille. Est-ce que tu penses pouvoir faire... En vrai... C'est faisable. Non mais c'est faisable, mec. Je suis pas points. Confiant. Il faut faire 8. C'est pas... Mais c'est pas impossible. Zank, bah, tu vas faire chier dessus. Dépêche-toi, on a une team à faire après. En fait t'es pas confiant en fait. Non mais je pense qu'on peut le faire. Dis-le. Zoulou. Je pense qu'on peut le faire. On a une team à faire encore, donc vas-y. Allez go. En régie, dès que t'es prêt, on y va. En régie, dès que tu es prêt. Mais ta gueule. J'ai pas d'oreillette, donc tu peux y aller. Yes. Énorme. C'est chaud ça. Allez. 3. 2, 1, c'est parti. Gendarmerie. Gyrophare. Bleu. Tenue. Autre. Képi. Ok, c'était police. sport. Foot. J'ai envie de dire commissariat. La gendarmerie, c'est gendarme, c'est pas police. Après, moi, je veux ce que j'ai envie. trampoline. Sauter. Général. Ok, c'était Jim. Dinosaure. Arc. Période. Préhistorique. Joli. Ouais. Je passe. Aïe! C'est chaud. Bon, faut mettre 8 points, Zoulou, donc vas-y. Hein. Excuse-moi. Il reste 1 minute. Passe. Choisis les mots. Hein. Bombarde. Passé. Futur. Ok, passe. C'était composé. Putain. Ah. C'est ça. Courir. Nager. Pied. Chaussures. Lentement. Tu cours lentement, Zank. Qu'est-ce qui se passe? Ralenti, je sais pas. Bah, okay. Tu marches en fait. Ah, t'as un merde, c'est ça. Crapaud putain, il vient de le voir, merde. Mais c'est pas grave, il aurait eu crapaud bonnet, il aurait eu. Non, j'aurais pu. On l'a fait tout à l'heure, mais. Cercueil. Mort. Contenu.
Cadavre. Ossement. Ouh, fantôme. Ah, il a fait c'est toi, bâtard. Mais t'es ossement. Bah, ossement, tu veux que ça soit quoi? Amérique. States. Latine. Brésil. Tacos. Allez, vas-y, je te donne. Faritas. Mexique. En fait, le problème de Zach, c'est que tu réfléchis trop avec juste le mot d'avant. Faut que tu fasses tous les mots ensemble. Parce qu'en fait, toi, t'as vu tacos et t'as dit faritas, alors qu'en fait, c'était tacos, Amérique latine et States, tu vois. Il faut mettre les trois mots en même temps pour faire le mot. C'est Mexique. Dommage. C'est ça. Dommage, dommage, dommage. Ce ne sera donc pas battu. On va faire le dernier groupe possible, c'est-à-dire Xari avec Zulu et Gigi avec Zank. Mélangez-vous, messieurs, c'est dégueulasse. Oh, bébé. Ouh. Ouh. Oh, je te jure. Attends, et on commence tout de suite avec Xari qui va faire deviner à Zulu. Ok. D'accord. Ok, non, ça me va. Bah, non, ça va à tout le monde d'ailleurs. Dans tous les cas, c'est pareil. Même si ok, pour l'instant, 100% des teams dans laquelle j'ai été a gagné. Mais bon, c'est pas. Oui, oui, je tiens à préciser que 100% des teams avec lesquels j'ai été ont perdu également. Donc, ouais, c'est vrai, ça va. Ça, ça devrait donc s'équilibrer. Mais qu'est-ce qu'il fait alors putain, c'était un mot facile en plus. C'est ultra drôle ça. Vu, il a regardé maintenant. Non, il a pas vu en vrai. Putain, quel sablier. Voilà, comme ça, c'est réglé. Allez, on est prêt. 2 minutes pour faire deviner un maximum de mots. Xari fait deviner à Zulu. C'est le dernier couple qu'on n'a pas fait. Dans le public, peut-être. Est-ce qu'on est chaud dans le public? Faites du bruit. John, arrête. Il est con, John. Allez, on y va. Allez, on est parti. Énorme. Xari, t'es prêt? On utilise vraiment des faux bruitages pour 5 000 personnes. C'est énorme. Sache que si tu gagnes avec Xari, tous les deux, on aura gagné 2 fois et on sera très très bon. Voilà, je tiens à le dire. Moi aussi, alors, apparemment, tu feras attention par contre, Zulu. Non. On a gagné tous les deux. Et si je gagne avec lui, on a c'est gagné officiel, tous les deux. C'est officiel, Max veut tuer Zulu. Je m'en fous. Ah, merde. Bon, allez, go, la régie, on n'a pas que ça à faire là. Allez, on est prêt. Fais-moi voir ça. Vas-y, je te laisse regarder. Oh, les gens sont en délire. Quand les tu gars. Veux, Rizzo. 2, 1, c'est parti. C'est parti. Poisson. Fécond. Métier. Pêcheur. Oui. Il doit dire youtubeur, on va taper une barre. Rempli. Vide. Concert. Fermé. Rempli. Complet. Oui. Oh, mais franchement, il était pas évident. Largeur. Mec, longueur. Altitude. Hauteur. Arme. Fusil. Feu. Lance-flamme. Oui. Bien joué, mec. Mariage. Enterrement. Ensemble. Cérémonie. Oui, cérémonie. Il a eu, il a eu, il a eu, il a eu. Mais c'est bon, on l'a compté, gros. Mais c'est bon, c'est bon, t'inquiète. Excuse-nous, Spank. Excuse-nous, Bruce Granek. Laine. Reprisé. Bouh, ça va, gros, tu vas le perdre. Picoté. Picoté. Coudre. Oui. Oh, mec, oh, mais putain, ce mec, c'est insane. Si on fait un point, on est bon, mec. Les. Vache. Deux. Soja. Bou. C'était pas. Joindre. Joindre les deux bouts. Joindre les deux bouts, il a dit. Fossette. Sourire. Endroit. Paupière. Gonflé. Je l'ai pas. C'était joue. 30 secondes. Jeu. Société. Ballon. Foot. Panier. Foutre. Basket. Ouais, c'était basket. Ouais, enfin. Genou. Tibia. Articulation. Putain, 10. Cheville. 9. Oui. Oh, mais mec! 10, 7. 6. 5. Pays. 3. Continent. Océanie. Australie. 0. C'est validé! 8 points! Monstrueux, les gars. Franchement, GG. Eh ben, franchement, on est dans une merde noire. Mec. J'ai à te le dire. Non, mais franchement, t'es. En vrai, si on met un point, c'est beau déjà. Mais c'est ce que j'ai dit. Franchement, c'est ce que j'ai dit. Vas-y, go. On enchaîne avec la deuxième équipe. Jiraya doit faire deviner à Zankyo. 2 minutes pour faire deviner plus de 8 mots. Donc, la cérémonie, tu m'as scotché quand même. Oh, j'avoue que, mec, franchement. La cérémonie, j'avais envie de te péter. Franchement. C'est vrai que. Putain, mariage, enterrement, ensemble. Oh, cérémonie, quoi. J'ai envie de te dire cérémonie. Non, franchement. J'avoue que t'es épatant. J'ai plus envie de te tuer. C'est là que tu vois que. Il y a des gens ici dans le vocabulaire, mais. Puis genre, c'est ça en fait, t'as l'impression que c'est vraiment de se déclasser. Genre quand t'as fait. Enfin, repriser des clés de personne en fait. C'est moi j'étais assez impressionné. Allez,
Tu fais partie de la pâte. Mais servez-le. Mais sortez. T'es petit comme moi. Non mais tu vois, tu vois bien avec nous, nous à part pipi caca. C'est comme ça en gros. C'est comme ça son père. Alain Rey. Non, c'est le dictionnaire. Non, Alain Rey, c'est toi. Oh putain, mec. T'as tourné non, s'ils n'ont pas vu la vidéo, c'est pas évident. C'est pas grave, mais c'est Alain Rey. Tout est fait par Alain Rey. Moi, j'ai un livre chez moi, c'est Alain Rey. C'est 150 expressions. D'Alain Rey. Non, 150 expressions en français, détaillées, expliquées par Alain Rey. Donc c'est vrai qu'en fait, Alain Rey, c'est le français. C'est le mec. Le mec, tu veux la langue française, c'est Alain Rey. Bon, allez, go. On y va, 2 minutes, tu vas faire le décompte, Henri, s'il te plaît. Vas-y, balance tout ce que t'as, salon foiré de merde. Ok. 3. 2, 1, c'est parti. Traché. Guerre. Fumée. Ah. Artère. Cancer. Passe. C'est la gorge profonde. Ah putain. Oui. Botox. Chirurgie. Enlevé. Vieillesse. Je sais pas. Stérile. Cours. Cours. Marcher. Ah, c'est d'être terrible. Petit. Grand. Cours. Courte. Courte, oui, courte. Petite. Mais longue queue. C'est longue. Ah, c'est d'accord. Long. Bah, du coup, c'est quoi? Oh, minute. Seconde. Oh, oui. Oh, bien joué. Putain, on a trouvé un. Oh, ma queue. Longue. Droite. Plein de regarde, plein de spermatoses. Comme ça là, les comment là. Attends, elle est comment comme ça. Écoute, écoute. Vénale. Écoute, non. Veineuse. Veineuse. Ouais. C'est des raids, mon pote. Arrêtez, C'est dur aussi de trouver des termes. Allez, attends. Charmed. Série. T'as absolument pas le droit, mais c'est pas. Sorcière. Putain. Oui. Putain, bon. Comment je peux le jouer. Bah, t'as pas le droit de dire des mots anglais, mais c'est pas. Château pour un C'est un nom. Paris. Et tiens, un truc de Neymar. Merde. Chanter. Hymne. Bariton. C'est des fils de pute, les gens qui chantent. Hooligan. Mais... Damn, stop. C'est quoi, supporter, gros? Mais ta mère, c'est l'opéra, gros, tu te chantes, toi. Mais pourquoi tu prends pas Pavarotti ou un truc comme ça? Je dis ton plateau, j'ai dit chanter. C'est la première Paris. Les mecs chantent à Paris, qui sont des baritons. Et le mec qui me dit quoi? Les hooligans, mais c'est des baritons, ils sont là. Solo sempre tous les maisons. Les hooligans, ils sont là. Votre en enculé. Ne peut pas. Après, tu oh putain de merde. Pour sa défense, je l'avais pas non plus. Mec, et... t'as été le meilleur. Pourquoi tu m'as pas dit Pavarotti ou un truc comme ça? J'avoue que j'ai pas capté. Non, mais en fait, des fois. Merci pour tous ces best-of. Des fois, on te donne un mot. Et genre, admettons, il te dit Paris, tu penses direct au club de foot. C'est ça. Et après, t'as du mal à t'exprimer cette idée, quoi. Mais quand il a dit Neymar, t'aurais dû. J'ai dit Neymar, fais-moi partir ailleurs. T'aurais dû le dire. Au début, j'ai dit traché. C'est la trachée, la trachée, c'est la trachée. J'ai compris trancher, les tranchées. Ah, en fait, t'aurais dû dire profonde, je pense qu'il trouvait gorge. Profonde. Ouais, mais Max, bah non, mais c'est vrai. C'est vrai. Oui, combien de parle avec mon vocabulaire en excuse-moi, fait. Excuse-moi, ça fait 3 en vrai, 2 ou 3 je crois. Pour en avoir 4 je crois en minimum. Putain, j'ai tellement rigolé, je crois qu'ils ont fait ouais, on va dire 3. Je crois qu'on a fait 4 si j'ai bien compté, mais j'ai rigolé tellement que mes doigts sont restés bloqués à ça. Allez, on est en 4. Ils nous ont dit qu'il y a plus de meilleur 4 points en bas les couilles. Ils nous ont diverti, sans faire le mec, il avait peut-être un 5e, mais bon, je sais pas dans le non. Allez, on y va. Non, il y en avait un à un moment donné. Zoulou, tu es prêt? Pas marrant. Tu vas devoir faire deviner un maximum de mots à Xari. Vous êtes à 8 points. Tu vas pas lui faire deviner la digestion quand même. 12. 12. Mais ta gueule, pourquoi tu... T'as dit quoi? Il a pas entendu, il a pas entendu. Hein. Bah, Estoma, pile. Allez, go. Allez, on est prêt. Oh, mais tiens, celui-là, il est super essaye, simple. Essaye, gros. Mais c'est bon. Vous avez 5500 personnes qui vous regardent. Allez, attention, le décompte en régie. Attends, en régie, tu peux nous mettre un petit coup de public, s'il te plaît, pour qu'ils les encouragent un peu. Allez, les gars, s'il te plaît. Merci à tous. Arrêtez. On se croirait à l'opéra avec le hooligan. C'est des hooligans, non? Arrêtez, parce que quand on a du vrai public. Non, on les pas du pas tout. Oh, arrêtez! Mais non, mais ils sont pas chauds, ils sont zéro chaud. Mais si, non. Quand tu leur dis que vous êtes chaud, ils font oui. Et après, ah bah oui, il faut les solliciter. Non, mais bien sûr, on a pas de chauffeur de salle. Est-ce que vous êtes chaud, Rizzo? Ah ouais. Tu vois, là, c'est une réaction instant. Pas mal. Allez, on y va. Ouais, Zoulou, 2 minutes, un maximum de mots, 4 pour battre le record, enfin 5 pour battre le record, 4 pour l'égaliser. Si vous tu êtes prêts? Celui-là, je te donne 10 points, mec. Risotto, le compte à rebours, je te le laisse. Yes.
3. Ça crieur. 2. Ah putain, bien. 1. C'est parti. C'est parti. Jambes. Chaussures. Amputé. Manchot. Remplacement. Prothèse. Oui, voilà. C'était prothèse auditive, mais bon, c'est pas grave. Mais c'est bon. C'est un peu le but, quoi, mais bon. Mais bon, manquer auditif. Après, c'est chiant. Manger. Boire. Épicé. Indien. Mais pas les deux en même temps, bravo, c'était indien. T'as le droit de faire ça? Frapper. Non, je peux pas faire ça là. Passe. Trompe. Éléphant. Oui. Putain, oh, bien. Pas évident celui-là. Épée. Bouclier. Créer. Forgeron. Non. On lui compte. Forger. Ok. Brûler. Cramer. Contraire. Éteindre. Flocon. Neiger. Ok, c'était gelé, excuse-moi. Là, là. Chiffre. Lettre. Autre. Nombre. Chiffre. Oui, bah, oui. Non. Mais quand il a pas envie d'en finir. Oh, c'est facile. Ça, c'est easy, bon. Noix. Coco. Ouais, je sais pas, je peux mieux en fait. Noix de coco. Essayage. Hein? Essayage. Habillage. Lieu. Cabine. Oui. Oh mec, noix de coco. Arbre. Plante. Peau. Écorce. Oui. Oh, bien joué. Pas 30 ça. Secondes. 10 secondes. Docteur. Médecin. 9. Études. 8. Médecine. 7. Oui. Allez, 20 secondes. Coussin. Oreiller. Oui. Putain. 9. Déjà vite. Twitter. Réseau. Direct. Instantané. Live. Périscope. Oui. Putain, oh le mec. Alors ça, ça met... Ça, c'est insane. Ça, c'est 20 points. Chercher. Esprit. Chasseur. C'est terminé. Vous avez marqué 10 points. C'était deviné. Ok. Attends, cherchi esprit. Ah ouais, c'est esprit là. Okay. Ouais. Vous avez marqué 10 points, vous êtes donc arrivé à 18. Et pour le moment, vous avez établi le nouveau record. Mec, j'ai cherché que des trucs genre noir et blanc. C'est ce que tu fais, voilà, c'est ça. Tu cherches que des mots. Est-ce que je peux retrouver à chaque fois la même question et la reposer? Ou au pire, blanc, noir. Blanc. Ça part des mots aléatoires parmi genre 15 000 mots, donc bonne chance. Attends, j'ai perdu la souris là. On a eu grenouille deux fois quand même. Putain, elle avait disparu comme Iceman. Ok, c'est bon. Vas-y. Iceman. Tu nous dis le décompte. Risotto, quand tu es prêt, on peut y aller. Vous avez un peu de bruit dans le public maximum. Pour nous aider là, les gars. Allez, allez, allez. On se réveille un peu. Merci, là. Les gars. Il y a des soutiens de la communauté. Je rappelle que le suspense est à son comble parce que vous pouvez tout à fait battre l'équipe adverse en faisant deviner 14 mots. Allez-y. C'est totalement possible. Non. 15 pour le battre. C'est vraiment mec, hein. Le mathématicien. Là, quand va. Tu veux, Rizzo. Oh ok. Non, je peux pas. Vas-y, ah. C'est merci à toi, mec. Tu vois le soutien. Allez, go. 3. On y va. 3, 2, 1. C'est parti. Pote. Ami. Oh, la con, ta mère, dépêche-toi. Super pote. Un brother. Vas-y, c'est amitié, casse les couilles. Mais dis-moi un verbe. Brûler. Amitié, verbe. Oh, wow, wow. Cramé. Cramé. Ventre. Wow, gastro. Rény. Sans famille. Rény, inflammation. Lège. Lège. T'as pas le droit. Sans le i. C'était Liège. Warning. Voiture. Bip, 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 bip. Ouais. Vas-y. Nourriture. Manger. Je sais pas quoi dire. Froid. Froid, ouais. Sandwich. Conservé. Glacé. Ouais. Glacé. Glacé, conservé. Sorbet. Là, ça. Congélateur. Ah oui, d'accord. T'aurais dû dire réfrigérateur. Mais... C'est mort, ça. Homme. Femme. Jeune. Garçon. Contraire. Fille. Ouais. Wow. C'est quoi, ça? Araké, bah c'est... Allez. Bombarder. Tuer. Tirer. Explosion. Arme. AK-47. Ah, lance-roquette. Mitrailleuse. mais tu me dis exploser, gros. Eh ben, exploser des mecs. Le mec, le forceur. Zidane. Comment? Tirer. Lucarne. Objet.
Ballon. Oui. Oh Zidane. Allez, 10 secondes. Sol. Plafond. Planète. Planète. Système. Mer. Nous. La Terre, enculé. La Terre, nous, planète. Nous. Jambon. Notre planète. Attends, juste on le fait pour le plaisir. Jambon. Jambon. Aoste. Ouais. Boucherie. Coupé. Attends, tu me parles de terre. Jambon. De non, on est passé à autre chose. Parce que c'était terre et t'as pas trouvé. Ah, mais attends, je veux pas parler d'un coup de terre et de jambon. Alors, jambon. Ouais. Tranché. Ta mère. Attends, j'en fais un petit. C'est fini. C'est terminé. Ah. Oh. Vas-y. C'est quoi? Je voulais dire. Michel Vendetta. DJ. La ferme. Et j'ai fini, les gars. Mais non, on fait ce qu'on veut. La ferme. Ah, attends, la célébrité. C'est bon. Et on se finit sur ça, parce que vraiment, c'était insane. Non, mais ça, c'était dingue. Ça, c'était oh dingue. La vache. Là, c'était insane. Mec, attends, on a peut-être pas gagné. T'entends plus, mais on a gagné le cœur du public. On arrive. On arrive. On arrive énormément. Oh, bien joué, la mise. Excellent travail. Combien le de truc. Arme explosée. Non, mais trois mitrailleuses. Bah oui, explosée des mecs. Tu sais, il dit ça, genre, c'est logique. Bah oui. Je sais pas. Mais qu'est-ce qu'on fout là-dessus? Mais pourquoi on est sur le chat de Eclipsia LOL, gros? Mais c'est pas moi qui ai appuyé. Ah ouais, c'est ça. Bon, parce que je vois. Oh les gars, ce qu'il a fait là au mid. Bah nique ta mère. Zant est trop fort. Combien de points, Max? Mais on s'en fout des points. On s'en bat les couilles. Ils ont regardé quoi? Tu sais quoi, tu nous en mets 15. En vrai, rien que la fin de David Vendetta, la fin Michael Vendetta. C'est qui David Vendetta? C'est un mec en plus. David Lafarge. On va marquer une pause, les amis. On revient dans quelques instants avec un setup extrêmement différent, puisqu'on va jouer à qui veut gagner des millions. A tout de suite. Yes, à tout de suite. Yes, les gars. Pa-da-pa-da-pa-da. Faut une petite musique et tout, tu vois. Avec une caméra qui recule, les lumières qui s'éteignent. On reprend les papiers. À cette époque-là, il y avait beaucoup de boulot pour les ouvriers. Ils n'étaient pas beaucoup payés, mais il y avait beaucoup de boulot. Maintenant, ils sont mieux payés, les ouvriers. Et c'est fini, il n'y a plus de boulot. Et circuler, rien à voir. Là.
Écrivez-nous de quoi vous avez besoin, on vous expliquera comment vous en pensez. Honey, 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 honey
Jean-Pierre. Bienvenue à toutes et à tous dans Qui veut gagner des millions version kitsch. C'est énorme, on est sur le stream et on va jouer avec Zankyo et Zulu pour... Non, à force de faire la blague pour une association, il va vraiment falloir qu'on le fasse en fait, parce que ça va plus être drôle au bout d'un moment. Ouais, c'est vrai. Ouais. Vous allez jouer pour du beurre, mais pour se faire plaisir quand même, on va essayer d'aller le plus haut possible. Et le beurre, c'est bon, et sur le ping, comme cette caméra qui actuellement est légèrement trop basse par rapport à ma taille, parce que je suis voilà. Mais à part ça, on va pouvoir se lancer sur les premières questions. Vous pensez pouvoir aller jusqu'à combien? 4000. Oh. C'est peu. C'est la troisième question. Ouais. Tu veux dire 4000? On a millions, Joker, t'es con toi. Tu penses aller jusqu'à combien? 48 000. 48 000, c'est pas mal, c'est le deuxième palier. Derrière, on a du coup Gigi et Xari dans le public. Yes. Vous pensez pouvoir aller jusqu'à combien? Nous, on a discuté un petit peu en off tout à l'heure. On s'était dit c'était le million ou rien. Ok. On va partir là-dessus. On leur souhaite en tout cas d'arriver au million. On vous souhaite de les battre. Vous ne pourrez pas aller plus haut que le million. On n'a plus de thunes. On y va. Première question. Bienvenue dans Qui veut gagner des millions. Merci. Allez, on y va. Ouais. Alors, est-ce qu'on a le son du jeu? Normalement, oui. Non, même pas le son du public, par contre. Alors, il n'y a pas de son ambiance, c'est normal. Donc, si tu en as un, n'hésite pas à le mettre. Mais la musique c'est le seul truc qu'il n'y a pas dans le jeu, normalement. Par contre, il faut aussi dire que le jeu date, puisque maintenant, ce n'est plus la bonne réponse. Hein, juste au cas où. Ouais. Non, mais le jeu, les questions, elles ont 3 ans. Voilà. Elles sont en 2013 ou 2014. 2014. Ouais, 2014. Juste pour un petit info. Sachez-le. Voilà. Je pense que je l'ai, du coup. Ok, on va pouvoir y aller. Alors, je rappelle un petit peu quand même avant qu'on commence les premières questions. Voici la pyramide des gains. On peut aller jusqu'à 1 million de dollars. Il y a donc une quinzaine de questions. Vous avez le 50-50, l'appel à un ami et le vote du public. Et au bout de la moitié des questions, vous aurez accès au switch qui vous permet de changer de question. D'accord ? Je suis un peu stressé. On va pouvoir commencer avec cette première question. Qui présente Déco sur M6 Déco. Petit A, Valérie Damido. Petit B, Virginie Guillaume. C'est petit C, Alexandra Sublet. Petit D, Karine Lemarchand. Il y en a 3 qu'on connaît pas. Bon, quoi, wow, Karine Lemarchand et Sublet Lemarchand. Moi, je dirais Karine Lemarchand. Voilà, c'est pas mon rôle de troll. Hein. Ah, bah, énorme troll en tout cas. Mec, le prank, quoi. Bien joué, quoi. Beau prank, hein. Le 55, c'est ça. C'est la sacré prank. Et je te prank. Et hey, mec, j'étais en train de le regarder, j'étais en train de croire qu'il était gogol contre. Alors messieurs, alors moi bon, je pense qu'on va dire Karine Lemarchand. Ouais, je pense, hein. Non, c'est vrai. Réponse A. Valérie Damido. C'est votre dernier mot? C'est notre dernier mot, Maxidan. OK. Et c'est la bonne réponse. Allez. Rizzo, est-ce que tu peux allonger jusqu'au toi bout. Et moi. Non, c'est pas c'est parce toi que et tu moi, veux voir Gigi et Xari, c'est ça? Bah, dis donc, Xari, qu'est-ce que c'est que ces okay, oreilles? Ok, d'accord, ça marche, tant pis. Arrête, je t'ai prank. On y va, on enchaîne avec la deuxième question qui est cette fois-ci pour 1 500 euros et c'est le premier palier. En 2008, qui chante Toi plus moi? Manifestement, des petits problèmes de caractère dans le jeu. Il nous Christophe regarde, Maé. Ce soir. Petit B, Christophe Willem, petit c'est Grégoire, petit D. T'as dit il, du coup, ah, c'est pas c'était un indice, c'est un indice. C'est un choix un peu compliqué. C'est vrai, c'est vrai, très très compliqué. Mais personnellement, je partirais quand même sur la réponse C. Après, c'est à toi de voir, quoi. Et je pense que c'est ça, effectivement. Tu pourrais peut-être nous chanter la musique. Excellent. Parce que j'ai un petit oubli, en fait. Vas-y. Je l'ai oublié aussi. C'est un peu... non, mais après, tu l'as pas, je comprends, parce que les paroles sont pas évidentes. Zulu. C'est toi. Plus moi. Plus tous ceux qui le veulent. Plus oui, plus elle. Et tous ceux qui sont seuls. Allez, venez. Et entrez dans la danse. Allez, venez. C'est nous la souciance. Et non, stop. Allez. Merci. Le maximum de spermateurs. C'est donc la réponse, c'est Grégoire. Qu'en pense le chat, exactement? C'est votre dernier mot et c'est une
Bonne réponse. Est-ce qu'on peut revenir sur la carrière d'Amandine Bourgeois Le mec, elle est de retour. C'est vrai. Non. 1500 euros, on va essayer de doubler cette somme. Vous êtes arrivé au premier palier. Troisième question. Comment se dit Pays Basque en langue basque? Petit A. Oh putain, c'est chaud en vrai. Euskadi. Petit B, Ongi Etori. Je ne sais pas si la prononciation est exacte, bien sûr. Wow, petit C, chaud, Elisa. Le seul que j'ai petit entendu, D, c'est le A, mais... Oyana. Euskadi ou Euskadi. Je pense qu'on va s'arrêter là. Ongi Etori ou Ongi Etori. 1500, c'est quand même une belle somme. Elisa ou Oyana. Tu peux pas qu'on switch la question? Tu peux pas switcher. Ah, non, on peut pas pour le moment. Non, faut que t'attends. Vous n'avez pas de switch, vous avez le 50-50, l'appel au public ou le vote. Est-ce que... De votre ami. Est-ce que pour le public on utilise le public, chat? Le public c'est Risotto. Ouais, ouais, ouais. Ouais, ou alors on utilise chat. Le chat pour le public. Ou pas le chat. Non, c'est nous le public, c'est nous. Pour le non, public, non, on toi, peut utiliser le chat. Non, mais c'est nous deux. Parce qu'il y a une réponse qui sort plus sur le chat. On peut vous dire. Non, non, mais pour le public, disons le chat. Faut faire participer le chat. Voilà, exactement. Le chat, c'est nous qui disons le chat. Vous êtes l'appel du public, on a le chat à côté. Voilà. Ok. On va faire. On va prendre le public, je pense. Ah, on peut faire un Stropole. On peut faire un Stropole pour le public carrément. On peut faire ça. Et ouais. On a sûrement un modo qui va être chaud, qui va nous mettre ça dans le chat. Ça va popper directement dans le chat. Ouais, on va prendre le vote du public, je pense que. Là, ici, franchement, j'en ai aucune. Aucune idée, mais vraiment aucune. Pourtant. Après, moi, je connaissais une fille qui s'appelait Oyana, mais. Rien à voir, quoi. D'accord. Rien à voir, mais ça m'étonnerait que ses parents l'aient appelé Pays Basque, quoi. Ouais. Alors, vous demandez le vote du public. Tu sais pas, mec. Franchement, tu sais pas. Je m'appelle au Pays Basque. On va faire un appel au public. Nous. Alors, ouais, le vote du public, on va du coup faire ce Stropole, comme on se dit, Pays Basque. C'est en langue basque. Petit A, Ouskadi, petit B, Ongi Etori, petit C, Elisa. Spam, un spam, je vous dis. Wayana, est-ce qu'il spam une réponse particulièrement? Exactement, je dirais qu'on est à 96,3% si on est très précis sur la réponse. Ah, tout le monde dit A. Euskadi. Ok. Euskadi ou Ouskadi. Tout le monde dit A parce que là, le Stropole, il n'y a personne en fait. Bah donc, écoute, personnellement, j'ai une confiance. Euskadi, vous avez malade. Jamais entendu non. Moi, c'est le seul mot que j'ai entendu dans les trois, donc, dans les quatre. Donc, je dirais mais ça, c'est jamais entendu. Euskadi. Euskadi. C'est le seul mot que je crois qu'on dit Ouskadi. Je sais pas, mon nom Ouskadi. Ouskadi. Ouskadi, carré. On dit Euskadi. Euskadi. Est-ce que t'étais au courant, toi, Rizzo? On peut peut-être avoir la vidéo. En 1753. Non, dans le Nord-Pas-de-Calais, quand on va au supermarché, on prend Euskadi, mais c'est j'ai pas... fait un seul échange linguistique et c'était avec des Basques. Donc voilà. J'ai ras le cul, quand même. J'ai eu peur du début de ta phrase. Vas-y, réponse A, réponse A. Vas-y, réponse A, vas-y. On passe à autre chose. Parce que là, il est déjà à 25. Réponse A. La pub arrive. Et c'est la bonne réponse. Eh bien, merci au public. Merci à vous, les gars. Non, mais c'est bien vu, c'est bien vu. Il vous reste deux jokers, l'appel à un ami et le 50-50. On enchaîne avec la quatrième question. Comment se prénomme le frère d'Alida? Petit A Paco, petit B Orlando, petit C Manolo, petit D Guillermo. Alors, en fait, moi le seul prénom déjà, ici. Est-ce qu'il y a des gens qui le savent dans cette pièce? Moi je le sais. Moi j'aurais dit ça. Moi je le sais aussi. Bah ouais. Moi je sais. Je croyais savoir. En fait, moi le seul nom que je connais qui est associé à Dalida, pour moi, c'est Orlando. Après, est-ce que c'est son frère, est-ce que c'est son père, est-ce que c'est son grand-père, est-ce que c'est son agent, son amant? Mais Orlando, c'est mortes, Orlando, ça me dit un truc. Non, mais je te le dis parce que là, chanter une chanson, moi je vais mourir sur ça. Oui. Bambino aussi. Et Orlando, Bambino. Du coup, t'as une idée, sans que c'est un peu toi le chanteur de l'équipe. En vrai, Guillermo, ça me disait un truc aussi, mais. Del Toro. Guillermo. Ouais, c'est peut-être ça, c'est ça. Paco ouais, aussi. C'est Guillermo Paco. Del Toro. Paco. Rabanne. Ouais. Et Manolo. Manolo, par contre, ça ne dit rien à personne. Manolo, c'est le concierge. On utilise un joker ou quoi? Non, je pense qu'on va au lit, non? Sinon, j'appelle ma mère, elle va savoir. Ah ouais? Bah, j'espère. Elle est dispo? Je sais pas, à cette heure-là, elle dort, mais je vais la réveiller. Non, mais il est 21h30, gros. Ah bah, ma mère, elle dort. Excuse-nous, il y a des gens qui ont dit. Ma mère, elle s'appelle. Non, mais en vrai, je pense qu'elle connaît la réponse. Vas-y, appelle ta mère. Tu peux nous remettre le plan? T'as envie qu'on se sacrifie, enfin qu'on. On peut au lit, hein? En vrai, j'aimerais bien entendre ta mère. Penche-toi un peu. Attends. Zary, t'es sûr que t'as la bonne réponse? Max, est-ce que tu peux me donner mon téléphone qui se trouve derrière toi? Putain, ce bruitage, gros. Ah si, si c'est pour appeler ta mère, non, parce que je croyais qu'il a regardé la réponse comme un connard. Ça allez, va. Vas-y. On va du coup utiliser l'appel à un ami. Zulu va appeler sa mère. Putain, heureusement que ta mère est là. Hein. Alors, par contre, mets-nous le putain de haut-parleur, parce que la dernière fois, j'ai regardé le replay de l'émission, on n'entendait rien à ton avoue pote. Que moi, on entendait, par contre. Toi, on entendait. B-Boy, on entendait bien. Mais on lui passe le il hurlait aussi. B-Boy, il hurlait. Mais ton live, tu vois. Non, mais mets le haut-parleur.
Il est en opération par rapport à ça, c'est pas en bas, frérot. Il y avait que deux réponses, hein, d'accord. A et C. Mais et tu crois que ça sort de l'écran, je après, ça dépend parce que je crois que lui. Par en bas, tu mets ton téléphone là. Juste, mais et bah oui, mais en haut-parleur, ça sort pas par en haut. Allô? Non, mais attends, j'entends rien. Elle répond ou pas? J'en sais rien. Comment elle s'appelle? J'entends rien du tout. Comment s'appelle votre mère? Christelle. Christelle. Chris? Non, mais attends, il n'y a pas de son qui sort du téléphone. Appelle ta femme, elle le sait. Allô? Allô? Non, ça m'est. Et dommage, il y a un joker malheureusement. Aïe, aïe, aïe. Est-ce qu'on peut essayer avec un autre téléphone peut-être? Non, en fait. Non. Appelle le fixe. Mais t'as du réseau là? Après, si t'as pas de réseau, c'est compliqué. Pas se mentir que les studios de qui veut gagner des millions ont pas trop de service. Ah, ça sonne. Ah! Attends, ça sort d'où? Oui, mais attends, j'écoute. Ah, mais je t'entendais pas! Je t'entendais pas, maman! Salut, maman, excuse-moi de te déranger, je t'appelle, c'est extrêmement important. Ok? Ouais. T'es disposé à avoir quelques instants pour me répondre, peut-être? C'est quoi ça? Ouais, ouais, ouais. Ok, alors je t'appelle parce que actuellement, je suis à qui veut gagner des millions. On a une question. T'as 30 secondes. C'est j'espère que t'as la réponse. Maman, comment se prénomme le frère de Dalida? Réponse A, Paco. Réponse B, Orlando. C'est ça? C'est ça? Oui! C'est ça? T'es sûr? Oui, certaine. Ok, bah très bien, maman. Écoute, je t'embrasse. On doit raccrocher. J'espère que c'est la bonne réponse. Et je t'offre. Je t'offre le champagne si c'est la bonne réponse. Merci Christelle. Merci Christelle. Merci. Merci. Ouais. Merci Chris. Merci maman. Comment? Tu peux m'offrir un vinyle. Un vinyle, merci, pas de problème. J'y penserai. J'y penserai maman. Il va rentrer, il va me ramener. Il faut raccrocher. J'y pense. Allez, salut maman, bonne soirée. Ah là là, incroyable. C'est ta mère madame. Bon, alors, merci Christelle, on l'embrasse, elle est charmante ta mère. Mais elle écoute des vinyles donc elle veut le vinyle de Dalida. Le vinyle Manolo. Le vinyle revient quoi un petit peu à la mode. Manolo. Mais non, elle a dit B Orlando. Non, pardon, elle a dit Manolo. Elle a dit B Orlando effectivement. Est-ce que vous allez suivre? Bah je l'ai pas appelé pour rien, je lui dois un vinyle maintenant. Dika aussi. Un vinyle de Dalida. Un vinyle de Dalida, ouais. Vas-y, réponse B, ça Orlando. Se en kiosque, hein, vas-y, réponse B, Orlando. C'est votre dernier mot? Oui, c'est mon dernier mot. Ça va, et si, si j'y mets pas un peu les formes, on fait pas qu'il gagne des millions. On se met derrière le bureau, on fait un quiz, on s'en bat les couilles. Mais putain, qu'est-ce que t'as avec le temps? Et alors, on s'en bat les couilles. Mais pressé pour une assoce. Ta femme t'attend? On te fait chier, Xavier, c'est ça? On te fait chier, on te fait chier. À 22h, mais dis-le maintenant que tu veux pas travailler avec nous. Dis-le maintenant que ça te fait chier. Combien on est payé? Je dis tout ce soir. Vous savez combien il est payé, ce petit con? Il est payé 11 000 euros l'émission. J'en ai marre, Xavier. Tu suces le budget de l'émission. J'en ai marre. Maintenant, faut que ça sorte. Maintenant que tout est dit, on va pouvoir passer ces cons là. Ta gueule. Maintenant que tout est dit, on va pouvoir passer, mec. On va pouvoir passer à la question suivante. Dans Alibaba, que dit le chef des 40 voleurs en quittant la caverne au trésor? Cache-toi, j'arrive. Petit A, sésame, ouvre-toi. Petit cache-toi, pardon. Range-toi, pardon. Petit B, sésame, disparaît. Petit C, sésame, cache-toi. Petit D, sésame, referme-toi. Donc, on sait tous ce qu'il dit pour entrer, mais que dit-il en quittant la caverne? Non, mais laissez-nous mettre le nom. Je dirais que c'est la réponse soit A, soit B. T'es sérieux? Non, mais lui, il met le doute à chaque fois. Tout à l'heure, j'avais la bonne réponse. Il me fait. C'est la D. Réponse D, sésame, referme-toi. C'est votre dernier mot? Oui, okay. J'espère. Il faut peut-être appeler mon père. Il vous reste. Fait qu'il a combien d'appels? Juste pour être sûr, il vous reste le 50-50. Non, mais ça va. Non. Réponse D. Ah, vas-y, mon je frère. Je suis enculé le pied. C'est la bonne réponse. 12 000 euros, effectivement. Bien joué, vous avez fait un beau parcours jusqu'ici. Il vous reste un joker et deux questions pour arriver aux 48 000 que tu visais, mon cher Zank. Oui, bah là. Question suivante, quelle actrice tient le premier rôle féminin dans la série? Merci à toi, Merci à toi, Gwangi. Gwangi. C'est B. Gwangi. Quelle actrice tient le premier rôle féminin dans la série Homeland? Petit A, Eva Longoria. Pas du tout. Petit c'est B, pas elle. Claire Danes. Petit C, Ashley Judd. Petit D, Kelly
McGill. Le chat le sait, hein, au cas où. Le chat, ils sont chauds en vrai. Non, mais... oh, et merci pas. À vous pour les abos. Mais mec, on a 5000 mecs qui savent. J'ai pas vu, mais bon, plus 5000. J'ai vu la série en fait, mais je sais pas. Plus que 200. 100. On est 4000. Je connais pas le nom de la meuf en fait. C'est une blonde, super sympa comme fille, mais. T'as bien un café avec elle. Ouais. La pas bonne. Elle est très aimable. Tain, merci à toi, la pas barjo, pour cet abonnement. Merci à toi, mec. Merci à toi de financer Xari. Tu prends un 50-50 ouais. 11 000 balles, ah, imagine. Putain, je serais bien. T'hésites aussi. Ouais, ouais, balles près, c'est à peu près ça. Trop clair et Kelly, tu vois. Moi, je connais pas du tout, mais prenons 50-50. Non, mais en fait, comme je te dis, j'ai vu la série, mais je sais pas, ça empêche pas. Le 50-50, les gars. Vous avez le 50-50. Vous n'avez pas encore le switch, vous l'aurez à la question suivante. Vas-y, on va prendre un 50-50. C'est sage, ça vous permet de ne pas repartir chez vous avec vos jokers. Si c'est A et B, vous êtes bien. Ah putain, il vous reste Claire, c'est toujours comme ça. Kelly McGillis. Réponse B ou D. Kelly McGillis, à quoi qui vous est... pensez? Je ne connais ni ses actrices, ni la série. Je sais ce que je veux dire. Zankyo, c'est une idée. Tu connais la série? Oui, j'ai fait ouais, mais... En vrai, si elle est blonde, elle a les cheveux clairs. Baines. Oh, arrêtez! C'est quoi, là, le public, je sais pas, personne a compris. Non, Claire, ouais, mec, je sais pas. Claire. Ah oui, pas mal, bah prends ça du coup. Ah, ouais, le truc, c'est que Kelly, ça fait bien plus actrice. Tu vois. Moi, je dirais Kelly. C'est une performeuse, elle. Je sais pas. Si je peux me permettre de vous donner un indice, on a quand même Xari qui vient de vous dire, bah prends ça du coup, en parlant de Claire Danes. Il a le chat sous les yeux. Mais je sais pas. Ça hein. veut sans doute ouais, dire mais que est-ce c'est Kelly. Est-ce qu'il veut pas gagner aussi? Non, là. Vas-y, bah réponse B alors, Claire Danes. J'aimerais avoir un public qui m'aide comme ça dans le vrai jeu. Ouais, ça serait trop easy. Le mec, il est avec le chat. Là, si tu termines un million, frère, on serait tous millionnaires. Ouais. Vas-y, réponse B, du coup. Tu nous le revaudras quand on passera nous. Zoulou, est-ce que t'es d'accord avec ça? Ouais, ouais, go. Ben moi, je suis. Après, j'avoue que la meuf, je la connais, mais pas. Là, tu la connais donc c'est bon. Vas-y, Claire Danes. C'est votre dernier mot. C'est vrai que t'as pas mal taffé avec. Bah, on a fait 2-3 séries. J'ai fait une et c'est une bonne réponse. Ok, on a 24 000. Zari qui a du coup bien. Oh, dernière question pour atteindre le palier à 48 000 euros. Oh, vous n'avez plus chaud. De joker classique, il ne vous reste que le switch. Bah non, quel... on a encore appel à un ami et non, mais... le vote du public. Trop marrant. Bah ouais. Dans quel sport mécanique s'illustre le Mexicain Sergio Pérez? C'est soit, soit moto, soit la Formule moto, 1. La Formule 1, ah le oui. rallye ou la course d'endurance. Ah oui, bon. Petit A la moto, petit B la Formule 1, petit C le rallye, petit D. Sur un niveau de 1 à 10, t'es à l'aise sur. Sur cette question, sur non, en vrai, le truc, c'est que Sergio Pérez, ça a fait grave mec de F1, tu vois. Mais genre, vraiment. C'est ton seul argument? Ouais. On va switch la question, je crois. Ouais, je sais pas. Écoute, si tu le sens, honnêtement, je te laisse la responsabilité. Je trouve que ça si vous vachement... réussissez cette question, vous passez au palier. Hein. Vous passez au palier. Donc, switcher, quoi. Clairement, là, tentez pas all-in maintenant. Vous pensez à quoi? Zank? Moi, j'aurais dit Formule 1, tu vois. Zoulou? J'en ai aucune foutre idée, franchement. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que vous voulez répondre J'en à la Formule 1? J'en ai aucune foutre idée. Moi, j'ai envie de tenter, switch. Mais. Sergio Pérez. Vous, ça m'étonnerait que ce soit la moto. Bah, ça aurait pu. Je pense pas que ce soit la F1. Pourquoi ça m'étonnerait qu'il s'appelle Sergio? Comme si c'était un argument. Ça m'étonnerait. Ça fait pas Sergio Pérez, ça fait pas trop. Perazas. Moi, je pense que c'est la course d'endurance. Ou le rallye. Non, 100% c'est la Formule 1. Ça me dit rien, gros. Je regarde mais la Formule 1. Switchez la question si vous n'êtes pas d'accord. Mais on n'a jamais entendu ça. Vas-y, go switch. Go switch. De toute façon, on ne s'entendra pas. Mais donne-nous la réponse. Ah non, il peut pas. Je vous donne la réponse. C'était Formule 1. Je pense que c'était la moto, mais on va vérifier. C'était Formule 1. C'était Formule 1. Oh, voilà. T'avais ah, mais en vrai. Pourtant, j'ai jamais entendu son nom en Formule 1. Non, mais c'est pas grave après. Il est connu pourtant. J'étais persuadé que c'était la moto. Il fait des top scores, lui. Bien vu. Pour confectionner un baba au rhum, le pâtissier prépare une pâte. Petit A levé, petit B sablé, petit C brisé, petit D feuilleté. Pour confectionner un baba au rhum, le pâtissier prépare une pâte levée. Tu peux appeler ma mère ? Sablé, non. Bon, je lui envoie juste un message alors. Feuilleté, non plus. Pas la meilleure. J'hésitais en pâte. Non, les autres, c'est la deuxième. Sablé. Avec peut-être sablé. Non, c'est pas sablé. Sablé, c'est quoi déjà ? C'est pas feuilleté. C'est pas brisé, c'est levé. Ça peut pas être levé ? Ouais, c'est ce que j'allais dire. Je crois que c'est levé. C'est soulevé normalement. Soulevé comme la Coupe du Monde. Mais... Ah, les rires. Sablé, c'est sablonneux. Est-ce que vous voyez à quoi ressemble le baba au rhum? Oui. Je crois. Oui. C'est une espèce de chou, quoi. Moi, je dirais levé. Avec du rhum. Rien que pour le fait que, tu vois, j'en sais en hauteur un peu. Ouais, mais c'est la crème qui met le truc en hauteur ou je sais pas. Pas de crème sur le baba au rhum. Oh, je sais pas.
Bon, allez, ah, attends, on est d'accord. Non, mais c'est, c'est, évidemment, c'est une espèce de gâteau spongieux qui oui, est imbibé d'alcool. C'est spongieux, c'est spongieux. Et c'est si pour on ça, levait sablé, ça peut pas être ça parce que. Feuilleté, voilà. C'est. Non, c'est sûr que c'est levé, mec. Ouais, c'est levé. Ouais, 100%. Vas-y, c'est levé. Vas-y, réponse A, levé. Réponse A. Entente. Est-ce que c'est votre dernier mot? C'est notre dernier mot. Mec. Est-ce que brisé. Ah putain, autant ça pue. Et c'était levé! C'est chaud, ouais. On atteint le premier palier, effectivement. Bien joué. Bon, de toute façon, vous l'auriez quelque part atteint puisque vous aviez la formule. Bien joué. Bah non, ouais, enfin, ouais. Bah, il l'avait pas atteint. Non, 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 parce qu'on n'était pas d'accord. Switch, je souligne simplement le fait que peu importe la question du Switch, allez, au revoir. Il avait la bonne réponse. Ah, c'est facile. En on fait. Passe à la question suivante juste après ce palier à 48 000. Question à 72 000 soit euros. Là, c'est, huitième question c'est dans facile. Un film de 1963. Quels animaux attaquent les habitants de Bodega Bay? Petit A des oiseaux, petit B des souris, petit C des serpents, petit D des félins. Dans un film de 1963. Est-ce qu'ils avaient le budget pour avoir des félins à cette époque? Gros, des ours en plus. À savoir que Bodega Bay, c'était le nom de code du film Dunkerque. Il y a eu un King Kong en 1900 et quelques. C'était le nom de code pour postuler. Sur un site et c'était je crois c'était le nom d'une des boîtes de prod qui et alors du coup bah ça nous avance est-ce pas qu'il dans, est-ce qu'il y avait dans ce film dans des ce oiseaux code, peut-être est-ce... des souris des serpents ou des félins de toute façon là on a validé là ouais, façon, c'est 48 000 là. Dans moi la je dirais je tenterais des serpents tu vois mais après Bah non. Ah, non. Non, il veut pas donner d'indice, mais non, il vient de me dire non. Il a fait école de ciné, donc je t'invite à fermer ta gueule. Non, mais c'est surtout voilà. Parce que je sais que tu sais. Après, si pas quel indice tu peux donner sans donner la réponse. Des oiseaux, tu vois. Est-ce que c'est pas le film de Stanley Kubrick oh là, mais... Les oiseaux. Qui se passe à Bodega Bay, j'en sais rien, je sais pas. Ah bah allez, vas-y, tente. Moi je quitte le plateau. Vas-y, testons le A. Je sais. Ah ouais. Non, 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 attends, validez rien. Juste un truc, je sens bien. Petite vérification. C'est pas Stanley Kubrick, c'est les oiseaux. C'est pas les Stanley Kubrick. Ouais, 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 merci. Si, Kubrick, c'est les oiseaux. Merci le chat, merci. Les oiseaux, c'est Kubrick. Juste pour vérifier. Hein c'est Kubrick les oiseaux? Absolument ouais, totalement. Absolument ouais. Pas. Ah ouais hein. Mais non. Voilà. Mais c'est qui? C'est n'importe quoi. Hitchcock. Hitchcock, bah oui, quel con. Mais j'étais pas sûr et comme sur la moto, je me suis bourré, j'ai pas voulu. Ah bah oui, voilà. T'as raison. Ok. J'étais pas sûr. Je passais pour un gros bouffon. Ça met des souris, ça me paraît. C'est trop bien. Donc méfie-toi. C'est trop puissant. Après, tu peux te poser des questions. Est-ce que Hitchcock était en vie en 63? Est-ce qu'on avait les films en couleur, en noir et blanc? Je ne sais pas. Réfléchis. En vrai, des souris, ça pue aussi. C'est quoi ce film de mort? Des petits souris, hein. Ouais, mais en même temps, si les rats agissaient comme une seule personne dans Paris, après, je peux vous donner un indice, Paris, il y a eu un film d'animation Ratus. Voilà, c'est le seul indice que je peux donner. Gros, écoute, je sais vas-y, pas. On vient parce qu'il est vraiment sorti en 63. Si c'est moi, je pense pas que ce soit les félins. La question. En vrai, j'aurais dit que c'est je vais vous demander une réponse, s'il vous plaît. C'est soit A, soit B. N'abrège. Soit A, soit B. Je pense. Vu qu'il nous a dit que c'était pas tant tombé des souris. Il nous a pas dit que c'était pas. Vous avez dit que c'était pas ? Ah, moi j'ai rien dit. J'ai rien dit mis. Que c'était pas Kubrick, c'est tout. Ouais. J'ai juste étalé ma science, tu vois, comme de la confiture, comme ça quand moi, on n'a pas. En vérité. Tu veux rester sur ton idée A ? T'avais quand même une petite. Ils sont obligés de parler d'un film connu, tu vois. Vas-y, Biego des oiseaux alors. Je pense, mais après, réponse, j'ai pas dit non plus que c'était ouais, A. On est d'accord. Ouais, bien sûr, on est d'accord. Non, mais c'est le seul qui a une petite idée de quelque chose. Genre, moi, c'est genre en mode obvious, tu vois. Ouais. Et puis tu vas faire un film sur une attaque félins, de félins. Je suis pas chaud. Serpent, pourquoi pas? Serpent, souris, pourquoi pas stylé, oiseau, pourquoi pas, tu vois. Mais oiseau, ouais, ça fait grave dans les pays comme s'ils pouvaient se faire grailler. Et Zoulou, votre réponse. Réponse A. Ils sont en train de nous insulter sur le chat, je crois. Mais... Ouais, mais c'est normal, ils ont internet. Et ils ont Google. Ouais. Bon, allez, les gars, alors, les 41, on veut jouer. Donc. 41, allez. Vas-y, réponse A. On allez, réponse A. Vas-y, on tente. C'est votre dernier. C'est pas ça, il m'a regardé de travers. Vas-y, réponse A. C'est ça, allez. Eh ben, enfin, putain. Le film de 63, bah qui j'imagine est fait par Hitchcock. Mais pourquoi j'ai pensé à Kubrick? Pourquoi j'ai pensé à Kubrick? C'est bien à Bodega Bay, machin. Oui, c'est ça. Donc t'avais entièrement raison. Bien joué, question suivante. Attention, on commence à se rapprocher du million. Messieurs, vous n'avez plus de joker, mais on est à la 9e question pour 100 000 euros. De quel pays la ville d'Harar, ou Harare, je ne sais pas, est-elle la capitale? Harare. Petit A, le Ghana. Petit B, les Seychelles. Petit C, le Zimbabwe. C'est au Seychelles, petit D, la vie est belle. Le Lesotho. C'est aucun rapport. Hein, le Lesotho chaud. Le Lesotho chaud. Je pense pas que ce soit les Seychelles. Non, moi non plus. Ça doit être Harare, je pense. Harare.
Le Ghana. Oh, ça... En vrai, Lesotho, c'est stylé, tu vois. Lesotho, c'est pas mal. Non, ah, mais vu que tu connais pas, genre. C'est comme la Formule 1. Écoute, de toute façon, on est, bah, sur, ouais. On est au palier, on a atteint les 48 000. C'est déjà ça. Vous avez dépassé le palier, c'est-à-dire que là, si vous répondez mal, vous redescendez au palier. Ouais. Tu redescends à 48 000. Donc tu redescends à 48 000, ça veut dire que tu seras donc en vrai, à la 7ème question. Ouais. On va pas s'arrêter de toute façon parce qu'on est venu ici pour jouer. Ouais, on a fait le déplacement depuis la province. Fun, quand même. Le Lesotho, moi. Le Lesotho, vas-y. Ouais. Allez, réponse D, le Lesotho. C'est votre dernier mot ? Oui. Ouais. Mais non. Et aïe, c'était aïe, aïe, le Zimbabwe. Aïe, 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 aïe. Bah après, il faut le savoir. Moi, je tout le savais. Bien sûr. Mais bien sûr, le chat l'avait. Hein. le chat l'avait. La ville d'Harare est donc la capitale du Zimbabwe. Et vous n'aviez pas la bonne réponse. Malheureusement, échec pour vous. Mais beau parcours quand même. On arrive du coup à la 7ème question. Bien joué, 48 000 euros. On va voir si vos confrères vont faire mieux. Merci d'être venu. Je vous laisse vous installer dans le public. On peut les applaudir bien fort, évidemment, dans le public. Bravo. Allez, je vous laisse vous poser. On dirait vraiment qu'il y a du public, genre c'est bien ce que fait. Quand ça réagit instant, ça marche bien. Ah, c'est dommage, le petit fade out à la fin, tu sens que c'est fake. Tu vois. Ça, c'est dingue ça. Allez, posez-vous. Ça va bien, les amis ? Nous, ça va. Et vous on avez, pas la vous aviez hâte de jouer ? Non, moi j'étais bien comme ça, j'aimais bien écouter ce qu'ils font, interagir avec le chat, faire des blagues. Vous m'avez dit c'est le million ou rien. C'est le million ou rien. C'est-à-dire que si à un moment on fait une mauvaise réponse, on s'engage chacun à donner 5000 euros de notre compte personnel à un viewer dans le chat. Ça c'est ce qu'on a décidé avec... Écoute, 5000 euros c'est... donnés comme ça. Le viewer s'appelle... On n'est pas d'accord derrière. Quoi, 10 000 ? Non, t'as besoin. Le viewer s'appellera Xari, hein, je crois, et Jiraya. Exactement. Oui, exactement. Exactement. Sur ce, on va pouvoir commencer. Est-ce que vous êtes prêts à jouer à qui veut gagner des... Millions ! Première question, juste avant ça, je vous rappelle évidemment la pyramide des gains. Il y a 12 questions, 1548 000 et 1 million d'euros pour les paliers. Vous avez 3 jokers, le 50-50, l'appel à un ami et le vote du public. Arrivé à la moitié des questions, vous aurez également le switch. Première question pour 800 balles. Sur quel continent se trouve le désert de Gobi ? Petit A, l'Afrique. Petit B, l'Asie. Petit C, l'Océanie. Petit D, l'Amérique. Alors, vu que les questions datent de 2014, malheureusement, c'est devenu, ça a changé depuis, ouais. Devenu l'Europe. C'est donc, vrai. Je pense que la question, je pense que la réponse commence par A. L'Afrique, hein, je dirais. T'es sûr ? Ah, je dirais l'Afrique. Hein. Oui. Mec, t'es sûr ? C'est votre dernier mot ? Ouais, c'est notre dernier mot. Ok. Moi, je suis. Moi, je l'ai aussi. Et je peux te confirmer que c'est Google. C'est ton vas-y. C'est ce que j'ai dit. Voilà. Voilà. Eh bien, écoutez, c'est le million, rien. C'est rien. Je n'ai absolument. Gros, c'est j'ai rien dit. C'est en Mongolie, je crois. Mais j'ai senti... faisais une blague, j'ai cru que t'étais. Genre, tu faisais une blague. J'ai aussi. Senti que tu savais pas. Et je crois que c'est en Mongolie. Mais on a gagné. On a gagné. On a gagné, Zank. Zank, nous avons gagné. Zank. J'ai confondu avec alors, après, ne vous inquiétez pas, Xari savait évidemment la réponse. Non, mais comme vous l'avez vu tout à l'heure, il a juste très hâte de rentrer. Donc il n'avait pas le temps. Mec, je pensais vraiment que c'était bon, ça. Bon, on en refait une évidemment, on s'en bat les couilles, on y reva. Allez. Mais non, mec, il fait. Non, ouais. Mais voilà, le problème c'est pour la sauce quoi. Ça. Ouais, c'est. Ça alors, quel c'est... est le plus lourd de tous les oiseaux vivants ? Petit A, le condor. Petit B, le corbeau. Petit C, l'autruche. Petit D. Attends, mais le désert de Gobi, c'est où en vrai ? Il y a toujours pas Chine, Mongolie. Ah ouais. Bah tu vois, bah, la mais par en vrai, on est d'accord que. Ouais, c'est l'autruche. Oui, j'ai vérifié. C'est, moi j'en sais rien. Non, je me doutais que c'était mon c'est l'autruche, c'est l'autruche. Non, mec, le corbeau, je sais pas si t'as vu, quand il graille, gros, il te chie des vies. C'est l'autruche, c'est bon. Vas-y, mets l'autruche là, déjà qu'on a perdu. Sur l'autruche, c'est votre dernier mot. Ouais, c'est son dernier mot à lui. Et c'est une bonne réponse. Mec, putain, bien joué. Deuxième question pour le palier à 1500 euros. Combien de temps dure un semestre ? 6 mois. C'est, t'es sûr ? C'est votre dernier mot ? Moi je bah pense oui. Que non, normalement c'est 15 mois mais bon. On va rester sur 6 mois. Bien voilà, bien on va dire qu'on a rattrapé le retard qu'on avait perdu ici. Mais en Asie je crois que c'est moins en fait. Premier palier, 1500 euros, vous n'avez pas dépensé de joker. Bah non. Bravo. On a juste on est revenu quoi. Troisième question pour 3000 euros. Mec, de quelle tribu indienne oh, bon, tu l'as, Geronimo. Geronimo était-il le chef ? C'est Geronimo. Petit A les Comanches, petit B les Apaches. Petit C, les c'est Cheyennes. Comme... Petit D, les Arapaos. Je te jure que je ne sais pas. Je sais plus si c'est les Apaches ou les Cheyennes. Je pense que c'est les Comanches. Je pense que c'est les Apaches, mais... C'est pas évident quand même. Hein. Des fois, on dit... Ouais, c'est... Non, mais des fois, tu dis c'est les premières questions. T'as un peu honte d'utiliser un joker, mais t'es pas sûr, t'es pas sûr, tu vois. Non, en vrai, Gazari, t'aurais fait votre quoi ? Votre ami Zulu n'a pas tort. Moi, j'aurais dit les Apaches, mais...
T'es Après, ça peut être les Comanches aussi. En fait, les problèmes, c'est que ça peut être. Ça peut être les Cheyennes. Ça peut être ou les Arapahos. Non, les Arapahos, c'est sûr. Non, c'est pas eux. Tu les connais bien? Non, mais c'est sûr que c'est pas eux. Les Arapahos, c'est sûr. Parce que dans les lunettes, il y a des lunettes, mec. Je les ai vus pendant deux secondes. Ouais, enfin, je pète ma bouche. Allô. Petit A les Comanches, petit B les Apaches. On a les questions les Cheyennes. Petit D les Arapahos. Est-ce que vous prenez un Joker si vous ne savez pas? Non, vas-y, les Apaches. Non mais attends, je te fais confiance. Non mais attends, j'ai pas dit non. C'est les Apaches. Ah, il a dit. Non. Il a dit c'est notre dernier mais mot. Non. Je suis obligé. Et c'était les Apaches. Oh là là. Tu vois le risque que t'as là. Je vais partout moi. Allez, ça dégage. Je disais les airs et à partir du moment où vous dites c'est votre dernier mot, je suis obligé de valider. Quelle est la langue officielle des Jeux Olympiques? Petit A le français, petit B l'anglais, petit C l'espagnol, petit D le portugais. C'est pas évident mec. Je suis même pas sûr que ce soit le français en vrai. Normalement, c'est le mandarin, mais je crois qu'ils ont changé. En vrai, on se tape toutes tes questions infernales. En vrai, c'est pas. Arrêtez. En vrai, réfléchis bien, tu connais la réponse, je pense. Mais ferme ta gueule. Mais il est con, lui. De toute façon, c'est soit le français, soit l'anglais. Franchement. Après, on escrime, il parle en français. Mec, le en garde. Allez. Mais ah, c'est dans, vrai, les, autres, ouais, dans les autres trucs, il parle. Bien pas. Vu, ça peut nous aider, ça nous met sur. C'est pas qui réfléchissait peut-être qui a organisé les Jeux Olympiques. Les Jeux Olympiques. Ouais, c'est un FR, mais bon, est-ce que c'est. Bah, donc c'est. Il y a peut-être des petites expressions qui sont liées aux Jeux Olympiques. Vas-y, on met le français, vas-y. C'est vrai? On l'a. De toute façon, c'est million rien. Hein. Il y a pas de. Après, je dis ça, attention, hein. Moi, je ne sais pas. Bien sûr. Parce que. Ok, vas-y. Je pense que c'est le français, mais peut-être. Je pense que c'est le français. En je pensais que c'était la moto et ça l'était pas. Non, mais attention. Vas-y, on met le français. Pas à moi. On met le français. On peut pas utiliser un joker avant. Maintenant, c'est pas possible. Allez, Bruce Granek. Français, mec. Je te suis, mais. C'est le dernier mot, allez, hop. Oh, il a dit le mot. Le mot interdit. Et c'est la bonne réponse. L'esprit de Pierre de Coubertin. Validé. Et oui, c'est ça, je vais vous faire penser à Pierre de Coubertin. Putain, mais vos questions. Quatrième question, on passe à la cinquième, 12 000 euros. Enfin, celle d'avant, non. C'est les questions du début. Laissez-moi la lire pour les gens qui nous écoutent et qui ne regardent pas l'écran. Le bagel a été créé en hommage à un sport. Oui, mais lequel? Petit A, l'équitation. Petit B, le lancer de disque. Petit C, l'escalade. Petit D, la pétanque. C'est dur, c'est dur. J'aurais dit l'équitation. Parce que c'est le truc que tu mets autour des chevaux, tu sais. Mm. Ça s'appelle un bagel? Oui. Ça ressemble en tout cas. Oui. Et le disque? Non, le disque, ça ressemble pas à un bagel. Mec, t'es sérieux? Parce que dans un bagel, il y a un trou. Et mais un mec, disque, c'est plat. Un bagel, non, c'est mais mec, il y a une discipline. Genre en Afrique du Sud, ils ont ils jettent des disques qui sont creux. En Afrique du Sud-Est, je crois. Attention. Ouais, Est. C'est dans une ville qui s'appelle Charpilou. Charpilou. L'escalade, la pétanque, on est d'accord c'est zéro pour Africa, dire que... Mon frère. Tu pouvais sortir n'importe quel truc pour être crédit, tu m'as sorti Charpilou. Je vois Eddie Malou qui nous dit... Moi j'aurais dit l'équitation. Je suis sûr, tu tapes sur Google. Charpilou, je suis sûr ça existe. J'aurais dit l'équitation, mais par contre c'est quand même chaud comme question. Quoi. Est-ce que c'est votre dernier mot? On est où dans la pyramide là? Vous êtes à la cinquième question. Non mais on s'en fout. Il nous en manque deux pour être au palier. Alors je vous la montre, mais attention parce que Risotto, vu qu'il affiche l'écran comme ça, affiche le jeu en plein écran quand je fais ça. Bien vu. Voilà. Voilà. Du coup. Mec. C'est vrai que vous avez des questions difficiles, mais c'est le hasard. L'équitation. Est-ce qu'on fait l'équitation? Non, est-ce qu'on fait le public et... Je suis obligé de vous rappeler que vous avez quand même 3 jokers, le 50-50 de l'appel à un ami et le vote du public. Vous êtes quand même à la 5ème question. Pas maintenant, mais de toute façon, on est en émission, on pourra recommencer. Vas-y, l'équitation, vas-y. Ça ressemble, c'est mec, c'est un bagel qu'ils ont sur la gueule. Est-ce que c'est votre dernier mot? T'es sûr, mec? J'en sais rien, gros. Non, mais le public en plus, il saura pas. On peut peut-être rappeler un cheval. C'était dans ton répertoire. Mais attends, t'hésites entre quoi et quoi? Ces personnes qui font de l'équitation dans ces disques. Honnêtement, la pétanque, je l'exclus. Je vais pas te le cacher. Ah, peut-être qu'en fait, c'était de base, il fallait viser dans une bouée. Hein. Non. Non, parce que je viens du sud et par tous les chemins, je peux te dire qu'il n'y a pas eu. Escalade, ça m'étonnerait aussi. L'escalade, honnêtement, je me suis posé la question quelques instants. Je me suis regardé. Il me regarde du long, mec. Et c'est pas non. De conneries. Je sais pas, hein. Mais franchement, viens, on prend le public et en vrai, petit indice. Mais les aidez pas. Sur le chat, eux-mêmes, ils n'arrivent pas à se décider. Genre vraiment. Ah, même le chat, c'est pas. Bah, bon. Donc, on prend le public. Donc ça montre que c'est chaud. Vas-y, on prend l'équitation. Vas-y. On reste sur notre intuition. Et allez. Si c'est pas ça, bah tant pis. Je fais confiance à Xari. Non, mais tant pis. Tant pis. Tant pis. T'as assez chaud de se lancer comme ça. Xari, c'est à toi de le dire. Ouais, c'est notre dernier mot. C'est ton dernier mot. C'est votre dernier mot à l'équitation. Putain. Je te jure que. C'était l'équitation! Oh mec, je t'ai toujours fait confiance, mon ami! 12 000 euros pour cette cinquième question, sixième question à 24 000 euros, on est à deux questions du
Deuxième palier, vous n'avez pas utilisé de joker, vous avez bientôt le switch. Oh, le doute. Bien joué à vous. Alors, c'est pas l'amour de... Attendez, attendez. Ouais, attends. Quel roman de Frédéric Becbédé raconte le 11 septembre 2001 Becbédé, en vrai. Becbédère. L'amour dure 3 ans. Non, mais c'est pas possible. Windows and the World. Qu'est-ce qui pète en fond, Au secours, pardon, ou 99 francs. Qui a écrit 99 francs? Je sais pas, mais c'était un film avec des publicistes. C'est Frédéric Becbédé. Ah, mais c'est le film Mystérieux de son Oui, sauf qu'en fait, je pense que c'est que des livres de Frédéric Becbédé, mais lequel raconte le 11 septembre. L'amour dure 3 ans, c'est pas ça. 99 francs, c'est pas ça. Au secours, pardon, ça m'étonnerait. Moi, je dirais Windows on the World, parce que c'est un truc américain. En vrai, ouais. Au secours, pardon, je vois pas trop le délire. L'amour dure 3 ans, quel est le problème? Voilà, 99 francs. Windows on the World. Et si c'est pas ça, il est totalement con. C'est après, Windows on the World. Allez, c'est bon. Vas-y, par déduction. C'est notre dernier tour. C'est notre dernier mot. C'est notre dernier mot. Windows on the World. Ouais, Windows on the World. C'est votre dernier mot. Ouais, vas-y, vas-y. Si c'est pas ça, si c'est au secours, pardon, gros. Et c'est une bonne réponse. Ça, c'est logique. Ça, sans QAT, hein. 24 000 euros, toujours pas de joker pour notre équipe incroyable. On arrive à la 7ème question. 48 000 euros, attendez. Non. À quel poète doit-on le vers suivant? Cueillez dès aujourd'hui les roses de la vie. Non, petit A du Bellay, petit B Ronsard, petit C Baudelaire, petit D Verlaine. Pour moi, Baudelaire, c'était un suicidaire, je dirais Verlaine. Mais, Paul, ouais, parce que Paul Verlaine, il a fait des trucs un peu genre. Pas, là, on va pas faire les fous, on va peut-être switch. Des temps en mode yo, mec, et tout. Vous avez le droit de switch, de faire appel à un ami, vous pouvez demander mec, la switch. La vie on peut pas la garder pour genre une question qui est genre archi chaude. Okay. Et là. Public, là. Le public. Je vous rappelle que l'avis du public, sachant qu'on fait une émission un petit peu différente et qu'on demande aux gens du chat, dans le public de Qui veut gagner des millions, les gens n'ont que leur tête, leur voisin et leur télécommande. Là, ils ont Ici, Google. Ici, ils ont Google Chrome. Public, donc c'est peut-être le public à utiliser pour la question à un million. Ouais. Je dis ça. Après, c'est mon texte back. Mec, j'avais bien vu. Il faut y arriver à un million. On déjà fait un appel. Ouais. Ah, tu vas appeler qui? Ouais, on est baisés. Vous avez des postes, les gars? J'appelle Zoulou. Mais oh, j'avoue, c'est bien. Tu connais la réponse? Je peux pas te dire, mais. Bah, regarde, bah gros, on va t'appeler. Bah, non, si. Appelle-le. Bon. Bah, déjà, il t'a dit que c'était son texte de français. Donc, il a vu le nombre de récaps qu'on a fait, je pense qu'il l'a déjà Vas-y, dit. Vas-y, appelle le mec. J'espère qu'il est là, par contre. Mais les carottes aussi. Hein. Non, mais non, mais si. Par contre, à ton âme et conscience, réponds bien. Quoi. Oui, parce qu'à la sortie, il y a toujours 3 minutes qu'il peut te rouler dessus, gros. Ça peut aller très très vite. Il n'y a pas de réseau. Du coup, Rizzo coupe le micro de Zoulou pour avoir un effet parfait. Allô. Ouais, j'ai pas le temps, mec, désolé. Allô, Zoulou. Ouais, là, on est à qui veut gagner chaud, là, des millions. Chaud. On est pour la question du 48 000 euros, donc j'espère que t'es bien assis. Et sinon, bah, lève-toi. À quel poète doit-on le vers suivant? Cueillez dès aujourd'hui les roses de la vie. Du Bélair, Ronsard, Baudelaire ou Verlaine? D'accord, ouais. Il interpelle Non, mais ouais, continue. Mignonne, mignonne, allons voir la rose qui ce matin. Ah, ouais, c'était ça. Au soleil, ok, on a plus le temps. Alors, voilà, je vous demande de fermer sa gueule et arrêter d'étaler sa culture. Ronsard, du coup. Bien joué, bien joué. Là, c'est pas ça. Je te jure que sur la suite, c'est zéro ça. Si c'est pas, c'est pas ça. Ouais, ce serait une coïncidence. T'as dit quoi? T'as dit quoi? Ce serait une très belle coïncidence. Ouais, très belle coïncidence de prendre deux tasses. C'est notre dernier mot. Ouais, c'est notre dernier mot. Mec, j'aurais que Tony qui était mort. C'est bon. Bien joué. C'est la bonne réponse. Je suis bien trop cliqué. Et vous arrivez au deuxième palier, 48 000 euros. Il vous reste 3 jokers, le 50-50, le vote du public ou le switch. On enchaîne avec la question suivante qui est pour 72 000 euros pour cette association. C'est un switch instant. Je sais pas, mec. Louis XVI. Louis. Parce que moi, à Louis ce moment-là... XI. Mec, c'est chiant. François Ier ou Henri II, devant quel roi les frères Montgolfier ou Montgolfière, appelle-les comme mec, tu veux, trop compliqué. Ont-ils fait décoller ballon? Le pire, c'est que j'étais là, gros, et je m'en souviens pas. Mais vraiment, j'avais parlé un peu avec la cour du roi, mais je me souviens pas. Alors, switch. Nos amis montgolfiers. On switch. C'est pas assez dur. T'es sûr? En fait, il faut garder le public. Vraiment, c'est le meilleur bonus. C'est pas. Faut qu'on switch. Ça peut être un prank. Hein, non, mais non, mais ils sont c'est pas des enculés. C'est pas un prank. Switch. Et le 50-50, c'est si on hésite. Mais là, on hésite switch. Pas, on est naze. Ça switch. Ça switch. Moi, j'aurais dit Louis. Non, j'aurais dit François 1er. J'aurais dit Henri 2, moi, personnellement. Moi, j'aurais dit François 1er, vas-y, on switch. J'aurais dit Louis 16. Ah c'était ouais. C'était Louis 16. C'est Louis 16, ouais. J'ai le chat. J'ai le chat. Question Kingston. Switchée.
Quelle est la capitale de la Jamaïque? Kingston, yes. Bridgetown, Georgetown ou Charlestown? C'est Kingston. Kingston? Ouais, Usain Bolt comme ça. Kingston. C'est Kingston. Ton dernier mot? Ouais, c'est mon dernier mot. Ah, c'était Bridgetown. Eh bien non. Et c'était Kingston, bonne réponse. 72 000 euros, il vous reste le 50-50. On l'a déjà eu. Oh putain, c'était... C'était Pat Jennings. Yes, Pat ah, oui, Jennings. Oui, oui, c'est vrai. On l'a eu en live la dernière fois. On et dommage. Switch. Non, mais ça s'appelle une Slumdog Millionnaire en vrai. T'es sûr que c'était Pat Jennings hein. Je sais pas. C'était Pat Jennings, c'était George Best, c'était Bobby Charlton, oh, Peter Shilton. Quel ailier légendaire de Manchester United, surnommé le cinquième Beatle? C'était Pat Jennings. T'es sûr? C'est ton en vrai, rappelle-toi. Pas évident. Non, mais... On a le droit d'aller voir la rediff, tu vois? Non. Non, merde. Non, non. Juste par contre, vous pouvez faire un appel non, mais non, mais non. Au public. On peut pas faire un appel au public pour ça. Ou un 50-50. Je regarde sans quelqu'un gros. Pas pour ça. 50-50. Mais pas pour et ça. Et on fait le 50-50, gros. Non, mais. Si, si. Mais non, parce que c'est... t'hésites entre quoi et quoi? Entre Pat Jennings et Peter Shilton. C'est pas vrai, hein, mais c'est non, pour non. voir s'il le laisse ou on prend Pat Jennings. Vas-y, on le fait au talent, c'est Pat Jennings. C'est le talent ou pas? C'est ton dernier mot? Si c'est pas attends, ça. Attends, regardez, ouais. regardez. Est-ce qu'ils savent la bonne réponse? Regardez. Je me fais cacher. Ça se trouve, c'est pas ça. Vas-y, Pat Jennings, on s'en bat les couilles. C'est, allez, c'est un dernier mot, vas-y. Mais d'accord, si vous ratez, vous retombez bah, exactement attends, au même palier. Il que... est fin d'émission, allez, nique ta mère. Attends, attends, on n'a pas dit. Il a dit. Vous avez répondu, réponse C. Attends, on n'a pas dit c'est Pat Jennings. Attends. Est-ce que c'est votre dernier mot? Putain, il dit non. Il essaie de nous brain. Attends, je vais me retourner vers mes amis derrière. N'écoutez pas. Rapproche-toi, Zoulou, dis-moi ce que, quelle réponse tu penses être la bonne. Non, mais il a Zank. Chat. Lui. Est-ce qu'ils ont la même déjà? J'ai pas compris ce qu'il a dit, Zank. Bon, vas-y, vas-y, on appelle le public, cassez-vous. Le public, vas-y, allez, public, public. Par contre, si c'est pas Jennings, ça me casse les couilles. Public, non, allez, le public, on y public, va. Public. Ils ont dit qu'est-ce quoi, qu'ils disent dans le chat? C'est la réponse A. Ah, ah ouais, en plus moi, c'est vrai. Je savais bien que c'était George Best. Ouais. Allez, George Best, allez, fin, c'est le dernier mot. Dernier mot, dernier mot, allez. Moi je savais plus, mais j'aurais dit pas. Non, c'était. Vas-y, vas-y, c'est notre dernier. T'es sûr? Ouais, 100%. Bah, c'est le chat qui a dit. Hein. Ouais, non, 100%. Ils sont chauds. Gore, c'est terrible. Non, ils sont hyper. Et c'est George Best. On est naze, on a peu de mémoire. Mais en même temps, c'était la pire question. Je t'avouerai que c'était un peu chaud de s'en rappeler. Question numéro 10. Il vous reste seulement. Et vous êtes à 3 questions. On utilise le 50-50. Millions. Quel auteur espagnol a créé le personnage de fiction Pepe Carvalho? Le seul que je connais, c'est Mendoza dans le tas, donc j'aurais dit Mendoza. Attends, on va utiliser 50-50. Montalban, Maria. 50-50 avant qu'on regarde les noms. Mendoza. Ils en s'en bat les couilles. C'est votre dernier joker. Mendoza. C'est le dernier mot. Allez, vas-y. C'est votre dernier, dernier mot, dernier c'est mot. Le seul que je connais. J'en ai plus de mots là, de toute façon, vas-y. Et c'était. Oh putain. Montalban. Et putain, ils montent. Dommage, les gars. Après, on allait plus loin à bout, les gars. Et vous retombez. Ouais, et non, 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 vous êtes allé exactement à. Ouais, même niveau que voilà. Et si on fait la moyenne de vos deux parties, on a gagné. Ouais, clairement. Le désert de Gobi qui était en Afrique, un bon bol au stade, ma part. Ainsi s'achève cette session de Qui veut gagner des millions. J'espère que vous avez passé un bon moment chez on aurait vous. On aurait dû réfléchir à l'envers. C'est le seul que je connais, donc c'est pas lui. Bah ouais, parce que Mendoza. En vrai, j'avoue que Mendoza, ça faisait un. C'est un chanteur, je crois. Aucune idée. Mais Mendoza, c'est un. Non, c'est un auteur. Si je t'ai regardé, je t'en ai. C'est un auteur, Mendoza. Ouais, c'est Despacito, je crois, Mendoza. Mendoza. Despacito. Sachez que la semaine prochaine. C'est une ville d'Argentine. Ah, attends, Mendoza. Alors, dites-nous tout. Attends, mais c'est juste une ville ou. Non, ça. Non, ça. Non, ça. Non, ça. Non, ça. Ça. Eduardo Mendoza. C'est un écrivain espagnol. C'est tout pego. Considéré comme l'auteur le plus représentatif de sa génération. Si, tant bien, donc des sous-modèles, des fumales, quoi, des vous étiez pas. Mais ce n'est pas lui. La semaine prochaine, il n'y aura pas de Prime. Il n'y aura pas de mini-émission comme on a pu faire ici. Tout simplement, puisque notre ami en régie, que vous allez voir dans quelques instants, est en vacances. Voilà, et que comme on est très prévoyant, on n'a absolument pas de remplaçant. Moi, je ne suis pas là aussi, hein, la semaine prochaine. Oui. Ce serait totalement. C'est pas une blague, par contre. Du coup, on va adapter un petit peu la prog. On va faire un petit truc d'été. On va faire pas mal de trucs solo. On vous a prévu aussi quelques petites choses qui changent. Des trucs qu'on n'a pas l'habitude de faire. Tu peux nous en dire plus pour peut-être ceux qui nous suivaient non. l'année dernière non. sur. Tu veux pas qu'on le dise? Non, mais tu peux le dire. Non, vas-y, balance. Pour ceux qui nous suivaient l'année dernière sur Eclipsia, vous savez qu'on avait l'habitude de sortir dehors directement avec nos téléphones pour faire des lives directement dehors, notamment sur Pokémon Go. Ici.
on va utiliser Pokémon Go comme prétexte pour sortir. Est-ce que vraiment on jouera à Pokémon Go ? Je ne sais pas. Beaucoup aussi, donc. Mais ouais. En tout cas, l'idée, ce sera de refaire des lives dehors tous ensemble. Donc, retrouvez-nous, je crois qu'on avait dit samedi 14h, pas le samedi qui vient là, mais celui de la semaine d'après. Donc, le samedi à 14h pour nous suivre sur nos péripéties. Je ne sais pas ce qui va se passer, c'est toujours assez imprévisible ce genre de choses, mais on va essayer de rendre ça plutôt des cool. Pranks. Voilà. Des pranks, peut-être par des contre, pranks, ça peut être pas mal. Ouais, ça peut être marrant. Voilà, sur ce, j'espère que cette soirée vous a plu. Dans quelques instants, c'est Skyheart qui va reprendre le live. Vous serez avec lui jusqu'à minuit. Et demain, nous, on vous retrouve évidemment à partir de midi. Et ce sera Trinity, évidemment, qui reprendra le live, suivi de Gigi et qu'on sort. Toi, tu as eu ton permis. Du coup, tu vas pouvoir rentrer chez toi ce soir. Oh là là, il va bombarder sur l'autoroute. Fais attention sur la route parce que j'imagine que tu n'as pas l'habitude de conduire de nuit. Donc, fais gaffe quand même. Je peux te dire. Ils n'ont aucune chance. Gigi by night. Ils n'ont aucune chance. Ne croisez pas ce soir. C'est un mec qui fait le beau, mec. De toute façon, il aura fait une grave erreur. Je peux te dire que ma voiture, c'est du plastique. Hein. Alors, ça va faire quoi? Allez, les amis, salut à tous. J'espère que vous avez passé un bon moment. Bisous et souhaitez de bonnes vacances à l'ami Risotto. À bientôt. Ciao, Risotto. Ciao. Risotto.